La 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 la. Bon, allez, ouf. Pom 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 pom. Ok, là ça devrait fonctionner. Allez, c'est bon, c'est lancé. Ça y est. Salut Laurent Maurice. Salut Denis, salut Micmac et le chat, ouais. Salut Smoke, salut Greg V. Ah, le son est dans le doigt, est dans les doigts. C'est pour ici pour la cocaïne, oui, mais ça faut pas le dire en direct. C'est qui? C'est Romain, c'est ça? C'est toi Romain? Content de te voir mec. Salut Phil Gaytard. Ah mais il y a du monde ce soir, ça arrive vite, oh là, purée, c'est trop bien. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des petits changements concernant la présentation, concernant tout le reste aussi, parce que c'est Jean-Scul. Je sais qui tu es, je sais. Inutile de nier. Denis. Donc, petite présentation qui est différente par rapport à d'habitude, comme vous le savez, à cause de, bah, bien sûr, malheureusement, le Covid qui revient pour foutre le bazar, pour rester poli. Donc, du coup, bah, Jean-Philippe en direct de l'hippodrome de chez lui et moi en direct de l'hippodrome de chez moi, bah, on va faire un bon petit live chacun chez soi, hein, et Dieu pour tous. Et puis, bon, normalement, ça devrait le faire. Alors, j'attends juste Jean-Philippe parce qu'il a eu un petit contretemps, mais il va arriver très rapidement. Donc, voilà. Salutations aussi à Denis Debord, donc, qui est dans le chat, qui servira de modérateur aussi. Allez, ça arrive bien. Bon, j'espère que vous allez tous très bien parce qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu justement de choses qui titillent un petit peu. Donc le sujet du jour pour tous ceux qui ne l'ont pas vu encore dans le titre, mais si vous savez lire, c'est bon. C'était quelque chose que j'avais lancé il y a quelques mois et qui disait un petit peu, en fait, voilà, il y a des trucs dans les guitares de série, donc on ne parle pas du tout de guitare de luthier ou de guitare qu'on a bricolée soi-même, on parle de guitare de série fabriquée dans des usines. Il y a des trucs qui sont absolument géniaux pour le prix, il y a des trucs qui sont complètement ouf, tellement c'est pour le rapport qualité-prix génial. Et puis des fois on a des mauvaises surprises et donc voilà, il y a des fois des petites choses qu'on découvre et qu'on se dit qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Voilà. Ou alors il y a des choses qu'on se dit que c'est devenu complètement obsolète et ça devrait plus exister actuellement en 2020. Donc il y a certains d'entre vous qui avaient répondu donc à tout ceci. Et bah, écoutez, j'espère en tout cas qu'avec toutes les remarques que j'ai faites et que vous nous avez fait, que vous nous avez partagé, qu'on va trouver de quoi discuter ce soir. Mais je pense que oui. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de pelletées de sel ce soir. Hein. Salut Cartusian, sois le bienvenu. Donc, non, ici, on est là pour discuter, on est là pour échanger, on n'est pas là pour défoncer tout. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on discute dans la bienveillance ici. Voilà. Hey David! David Migaud, comment tu vas mon pote? Je suis content de te voir. Salut Thomas Vasseur, sois le bienvenu aussi. C'est cool de voir du monde de ça. Bon allez, encore un petit peu de temps. Le Jean-Philippe Moyen, il va pas tarder à venir, je pense. Voilà, donc là pour l'instant j'utilise Zoom, c'est la première fois que j'utilise pour un live YouTube, alors j'espère que j'aurai pas trop de problèmes techniques parce que j'avoue que je suis pas encore tout à fait à l'aise avec ce logiciel. Pour faire des trucs très basiques ça ira, mais pour faire tout ce qui est partage et compagnie, j'espère que j'aurai pas d'embrouille parce que franchement ça va vite me casser les pieds si jamais ça part en vrille. Non, non, pas de baston ce soir, non, non, ici on est des gentils, non, non, non. Parce que là, ça sert à rien de s'engueuler, quoi.
Alors, ah ça y est, il va arriver Jean-Philippe. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, je crois qu'il est en train d'arriver le Jean-Philippe. Non, il n'arrive pas. Bon, écoutez, hein. Bon, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que surtout vous n'avez pas trop d'embrouilles par rapport au Covid, parce que c'est vrai que c'est pas de pelleter de sel des camions entiers. Non, mais ici, je vous explique, les gars. Ah mince, d'accord. Alors, Jean-Philippe, il a perdu l'invitation. Allez, ça commence la technique. Ah là là, la technologie, c'est bien quand ça marche, mais quand ça marche pas, ça donne envie de tout casser. Alors, invitation, invitation. En plus, là, je suis en train d'essayer de. Email. Ah bah voilà. Bon, en tout cas, si vous avez des questions aussi entre-temps, surtout, 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 il faut que vous les prépariez parce que moi, je vais donc, avec Jean-Philippe, donner quelques petits indices. Aussi des réflexions par rapport à des choses que certains d'entre vous vous avez dites. Donc, il y a des choses qui sont vraiment super pertinentes, donc merci beaucoup. Il y en a d'autres pour lesquelles je suis déjà un petit peu plus circonspect, donc on aura moyen de discuter. Mais ça, c'est pas un problème. Si c'est que ça, ça va être sympa. Alors, messagerie. Envoyer. Oh, punaise. Je vais lui renvoyer une invitation. Bon. Désolé, hein. La technique, comme je disais, ouais, ça commence. Allez. Elle est là. Bon, alors momentanément, une page de publicité en attendant. Alors. Ah voilà. J'ai fait des... Bon, écoutez, on va faire autrement. Désolé, hein, c'est vraiment pas prévu comme ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Invité, voilà. Voilà, et comme ça c'est tout bon. Le stream marche toujours, oui, ça va, impeccable. Allez, je reviens sur la page. Il est à la bière, ouais. Salut XTC Two Wheels, sois le bienvenu. Il y a Das Guitar, J'avais pas vu qu'il était là, salut, il est bourré. Il est où, petit filou? Fred Sirocco Pérez, salut. On peut pas compter, je le sentais pas, j'y peux. Ah, mais tout de suite. Olivier Payan, salut à tous, vu la liberté d'expression et le rock, bien sûr, yes. Moi, je suis cas contact, je passe le test samedi. Non, c'est vrai, David? J'espère que non, parce que franchement, en tant qu'homme maestral à la guitare, foutre le bordel, mais vas-y, allez, 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 tout de suite, les grands mots, là. Et tout de suite, comme vous êtes, là. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. C'est ce qui est, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment. Moi, j'ai ma petite sœur qui était enceinte il n'y a pas si longtemps que ça, et elle a chopé le Covid pendant qu'elle était enceinte. Alors, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'une femme enceinte attrape cette saloperie, le bébé ne risque rien, mais par contre, la maman, elle ramasse sévère. Sévère, sévère, donc c'est vraiment pas drôle, quoi. Donc, vraiment chiant, c'est vraiment chiant ça. Salut Dexter 6662, prêt pour le reconfinement. Mugarud, mais oh, il y a le 66 en force là, soyez tous les bienvenus les gars, c'est cool. Et ouais, il y a du beau linge ce soir, hein. On a le son dans les doigts, on a David Migaud, on a Das Guitar.
Il dit qu'il a rien reçu. Ah, oh, punaise. Allez, je te jure. Ah bah si, pourtant, je lui avais envoyé quoi. Décidément. Bon, sinon, concernant le matos, donc est-ce que vous en ce moment, qu'est-ce que vous pensez par rapport au confinement? Est-ce que ça va être le bazar comme les autres fois pour se faire fournir des envois de matériel? Est-ce que vous allez réussir à faire vivre un petit peu le commerce de proximité avec vos magasins favoris? N'hésitez pas à le faire savoir aussi parce que ça, c'est vrai que ça peut aider. Je l'ai bien envoyé, oui, c'est ça. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez des problèmes pour ceux qui sont abonnés chez Free, mais figurez-vous que Jean-Philippe, des fois, je lui envoie des mails, même des mails très courts, sans pièces jointes, sans rien du tout, et il a d'énormes problèmes depuis quelque temps avec ça. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous arrive également, mais du coup, c'est un peu le bordel. KS Corp, magasin fermé chez toi, mince. Salut Thierry Payen, t'es là, toi. Ah ouais, t'as raison, Thomas, c'est clairement la mouise, oui. Je viens de recevoir mon boss DD500. Ah, bah c'est bon. Salut Onyakuma, sois le bienvenu. C'est bon, ça vient, ça commence à viendre. Stag en rupture. Je pense que là, il n'y a personne qui va pleurer pour Stag. Je ne sais pas pourquoi, comme ça. Je lisais un article l'autre jour dans un magazine, je ne me rappelle plus lequel, où il y avait un artiste qui disait, ouais, aujourd'hui on a des trucs de fou, c'est génial, mais il n'y a plus de mauvaises guitares, c'est pas vrai, ça n'existe plus. Comment vous dire, quand je vois des trucs qui sortent de chez AliExpress, bon, là je fais exprès, hein, je suis vraiment piquant en disant ça, mais si, si, y a chez AliExpress, ça continue à avoiner, donc c'est relou. Hein. Non, pas de soucis chez toi, XTC, bon, d'accord. Dexter, hélas, j'ai pas d'achat guitaristique en attente ni prévu, mais j'ai peur qu'il y ait des répercussions à cause. Ouais, je crois. Là, alors, Romain, la différence, c'est que dans les gens. Non, c'est pas Romain, pardon, c'est Jean. Jean Scul, je vais t'appeler Jean Scul, tiens, voilà, pour la peine, tu mérites. La différence, c'est que les gens auront moins de temps libre à cause du travail, il n'y aura pas de second carton de la VPC par rapport à mars. Il n'est pas là, professeur. Ah, aussi, il arrive, il essaye de se connecter, mais je ne sais pas pourquoi il reçoit pas les mails d'invitation. Donc c'est un peu relou, du coup. Attends, est-ce que je peux pas faire une incrustation, du coup, moi? Mais si, voilà, comme ça j'ai tous vos trucs là. Le bashing sur Gibson. Ouais. Bah oui, tu m'étonnes. Et Fender. Ah oui, Fender, oui. Fender et Gibson. Eh, mon pote Nîmes, comment tu vas? C'est gentil d'être passé alors que t'es fatigué. Merci beaucoup, mon copain. C'est gentil. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, que tu vas arriver à te remettre de cette journée de merde. Salut Pascal Noguès, sois le bienvenu. Laurent Maurice aussi. Je peux pas dire bonjour si, je crois pas. Gibson se fait défoncer par les marques moins chères. Oui, alors là, pareil, on va pouvoir en discuter de ça parce que je vous ai préparé des trucs toute l'après-midi. Apéro, ouais. J'ai pas pris la bière ce soir exprès pour pouvoir discuter. Hein. Alors, hein, ne me faites pas râler. Hein. Non mais oh. Salut JDTK Joe. Dexter, j'ai un souci de vernis qui est fissuré sur ma Les Paul Junior de 2015. Aucune incidence sur le son, mais dommage quand même. Après, je l'avais eu à 500 euros en solde. Ah oui, effectivement. Moi, je l'affiche. Hop, voilà. Ah, les guitares Tokai, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, Tokai. C'est très très bien. Une bière. Quoi, vous voulez que je boive une bière? Non, mais attendez, je vais pas faire comme tous ces influenceurs, youtubeurs. Ouais, salut tout le monde. Alors voilà. On est bien, on est au calme entre nous, voilà. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai acheté un Mediator, voilà.
Alors c'est un médiator Riquet le Plectrier, mais je ne vais pas l'essayer aujourd'hui parce que donc ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc là je le fais comme ça. Hey, salut les amis, comment ça va? En tout cas, j'espère que vous allez très bien. Hein. Alors aujourd'hui, c'est avec NordVPN. Nîmes, tu l'as dit en même temps. Ma l'espoir de 95, elle fait mal. Ouais, tu m'étonnes. Bon, attendez, je vais demander à Jean-Pierre qu'est-ce qu'il fait. Bougez pas. Tonton JP, il arrive. Il y a du son, vous inquiétez pas, les gars. C'est juste que moi qui coupe. JP, JP, ils disent. Tu reçois pas les mails? Ah, c'est Free qui merdouille, ouais. Ah, je vous mets le haut-parleur comme ça vous profitez de tonton JP. J'avais fait des envois de mails. Ah ouais, avec un collègue, il m'a envoyé pour des élèves, c'était pour des groupes d'élèves, tout ça. Il m'a envoyé des arrangements qu'il avait fait. Franchement, ça m'a mis 24 heures à arriver, cet Putain. arrangement Ah qu'il m'a ouais. envoyé. Enfin, c'est n'importe quoi. Allez, Ah mais c'est abusé total quoi. ah ouais. Préparation de la réunion, connexion. L'hôte de la réunion vous laissera bientôt rentrer. Eh, hey, je Ah, te parle. ça y est, ça marche. Ça y est, ça marche. Incroyable, les gens. Ça y est, ça va marcher. Si, 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 regardez. Bob Marley est parmi nous. Il a ressuscité. Je Sam Shadow, ouais. Non, mais attendez, vous vous rendez compte, Bob Marley, quoi. Moi, je vais m'appeler Tenta aussi, mais j'ai envie. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Hop. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Si tout le monde m'entend bien, levez la main, même si je vous vois pas. On est au courant que la free d'expression est un problème en ce moment. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Un petit coucou furtif, je vous regarderai en replay. Warner. Salut Warnerve, j'espère que tu vas bien, content de te voir et j'espère que tu vas très bien aussi. Tu regarderas le replay tranquillement, ça marche. Merci d'être passé. Nickel le son, merci Phil Guitar, super. Donc maintenant, Bob Marley se connecte à l'audio, mais regardez, regardez qu'il est beau.
Ah, qu'il est beau Bob Marley, regardez. Oh, c'est lent, hein. Oh, ce soir, hein, on a du retard, hein. C'est inadmissible. Hein. Pas le plus fort dans le cornet signé pour sortir au sol. Comment? Tiens, d'ailleurs, je crois qu'on ne le voit pas dans Tournesol dans Tintin au Tibet. Allez. Je vais lui dire qu'il faut qu'il démarre sa vidéo. Peut-être que ça va marcher. J'ai pas de son. Ah, magnifique. Ah, je le vois. Il est là. Et t'as pas de son. Alors, il faut que tu regardes sur ta tablette dans les paramètres, si c'est sur ta tablette que tu es. Et normalement, il y a un truc avec Zoom, non? Tu vois pas? Il faut que je le rappelle, les gars. Eh, on a tout ce qui va pas aujourd'hui. Vous vous rappelez, c'est comme le Club Dorothée, la première émission du Club Dorothée. La première émission, tout avait merdé de A à Z. Plus. La tablette, elle veut pas avoir le son. Alors, regarde sur l'écran en bas si tu n'as pas des petits logos qui apparaissent au niveau des micros. Voilà, rejoins l'audio, c'est ça, oui. Tu mets un tout petit? Bah, oh, non mais oh. Bob Marley se connecte à l'audio. Ah, ça y est. T'as toujours pas de son qui sort? Et, ben, je te rassure, t'as pas de son qui rentre non plus. Et avec ton portable, ça marche? Eh oui, c'est plus confortable pour les deux. T'attends au Tibet, c'est moi. Alors, attends, toi, il y a marqué se connecte à l'audio, ça y est. Fais appel à Internet. Ah, alors là, il y a ton micro qui est... bouge pas. Hop. Ça marche? Voilà, maintenant, il faut que tu cliques sur le petit micro. En bas. À... Voilà. C'est bon? Ah, ça y est, on t'entend. Voilà. Alléluia. Alléluia. La légende raconte que les personnes connectées au chat avaient eu le temps de boire un fût de bière. Ah mais tu sais quoi, Ils vont bien leur. je crois que sur le coup je vais vraiment le faire de boire le fût de bière, ouais. Bah ouais. D'un scandale, yavol. Bon ben voilà, on y est arrivé au forceps, mais on y est arrivé, hein. Bon. Ouais. Alors. Déjà merci Jean-Philippe d'être avec nous, parmi nous. Donc il y a un petit peu plus de monde. Nîmes, je pense qu'il essaie de communiquer. Donc pour tous les gens qui viendraient de la planète Mars ou qui ne se connaîtraient au monde de la guitare, Nîmes fait partie entre autres de ceux qui sont sur Guitar United 1 et 2. Donc faites-lui Non, un j'y vais grand pas, oui. c'est pas assez bon comme niveau. Trop faible. Il faut que tu vas être plus fort. Plus fort niveau. Ça y est, tout le monde te dit salut sur le chat. Bah, c'est cool. Ah, sympa. Ben, moi aussi, je leur dis salut. Je vais y aller avec mon ordi. Là, ils t'entendent là, c'est bon. Le fait que tu parles, ce sera automatique. Nickel. Ok, mais je vais y aller quoi. Ok.
Le hangar des guitares. C'est avec le hangar des guitares, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est marqué que t'es en live, ouais. Nous sommes en live 1-1. Nous sommes en live Ok. 1-1. Donc du Oh coup, moi, putain. je peux remettre le chat. Voilà, regardez comme vous êtes beau là. Je vais tous vous mettre ici. C'est un peu à la bourre, mais ça marche. Voilà. Oh là, mais... Arrête, je vais vomir. Arrête de crier, j'ai peur. Oh, c'est trouble, là. La vache. Oh là Voilà, ça y est, comme là. ça j'ai votre chat en même temps. Je vais Pourquoi me il est coucher, je trouble? suis bourré. Bon, Et ça y est, on est pourquoi? arrivé. Pourquoi? Ah, David, Duncan, salut David, j'espère que tu es. Le chat, je l'ai tout trouble. Je l'ai en 2p. Alors, c'est que ça va merdouiller chez toi. J'ai en 120p là. Tu l'as en 120p, purée, toujours plus fort. Le hangar de l'angoisse, c'est inima. Attends, mais... J'espère que t'as bu avant, Nîmes, parce que ça va être bon là. Non, mais je recharge, je recharge. D'accord. Attends, mais attends, c'est quoi ce bordel? 300, 360p, attends. Ah oui, 360p, c'est pas mal. Ouais, t'es sûr que t'as la fibre? Ah! Je suis revenu en 720. Ah, la Ça va cité de la mieux. peur, ouais. Attends, attends, je me fous en Quand je suis 1080. content, je vomis. Ah! C'est beau la technologie. Quand ça marche, oui, c'est beau. Ah! Voilà. Par contre, c'est un petit peu lent, YouTube. Bon, bah écoute, moi en tout cas, bon, Ah, ça mais moi, je peux me bombarde. foutre en. XT, XC, two wheels. Ouais, mais je peux me mettre en 4K, mais après, c'est trop petit, je vois plus rien. Bon, allez, on y va. On rentre dans le vif du sujet. Aïe! Attends, il faut Aïe! des forces. On se croirait sur France 3, il dit Olivier Payan. Ah, c'est un live sur la fibre. Oui, voilà, c'est ça, Daz, t'as raison. D'ailleurs, au passage, allez, si vous voulez voir le travail de luthier que fait Daz Guitars Lutherie, allez-y, parce que franchement, ça envoie du steak. Hein. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est vraiment super sympa. N'hésite pas à mettre d'ailleurs ton lien, David, si tu veux faire ça. Bon, alors, on y va. Donc, le sujet du jour, on avait dit, c'est qu'est-ce qui n'est plus admissible pour la troisième fois. Hein, donc aujourd'hui en 2020 sur les guitares de série. Alors je vous ai préparé des petits trucs selon ce que vous m'avez envoyé d'abord et après des petits trucs que je vais rajouter et après on fera un petit blabla. Donc on y va. Allez, c'est parti. Non, ça c'est mon ordinateur, désolé. Hop, mon ordinateur que j'essaye de modifier. Allez, là normalement ça devrait marcher. Donc, première image, j'espère que ça va bien marcher chez vous. Non, ça marche pas. Si ça a l'air de marcher, ok. Donc, ce que vous voyez actuellement, dis-moi que ça marche, oui, impeccable. Ce sont donc des chevalets de Telecaster. Tout le monde les aura reconnus. Donc, le premier, c'était Nicolas Garcia, notre copain Nico. D'ailleurs, coucou Nico, si tu nous vois. J'espère que tu es là. Fais-nous signe si jamais tu es là. Nicolas a raison. David, tu te calmes de suite. Hein. C'est aussi notre copain Nico. Hein. C'est pas que le tien. Donc, j'avais dit, alors c'était un petit peu une, entre guillemets, une petite provoque, pas très méchante de ma part en disant, voilà, qu'est-ce que vous pensez qu'en 2020 ne devrait plus être? Moi, j'avais dit que si on aime bien les Telecaster, c'est une chose, mais avoir des chevalets Telecaster à l'ancienne avec seulement trois vis de réglage, avec ici les petits pontets sur lesquels il y a deux cordes sur le même pontet, moi, je disais que c'était ok, peut-être sympa, ça faisait vintage, mais que pour moi, je ne comprenais pas pourquoi ça existait encore. Et comme dit Nico, oui, les pontets non réglables individuellement, comme sur ce modèle-là, c'est vraiment d'un autre temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous pouvez voir que chaque ponté, on peut le modifier aussi bien en réglage d'intonation, mais aussi en longueur, en hauteur, etc., etc. Donc, voilà. Moi, à mon sens, c'était ce que j'avais dit. À mon sens, ça, ce type de chevalet, je trouve que même si ça apporte un petit charme, je suis pas fan. Voilà. Alors après, Ouais, mais vous, si... on va te dire, oui, mais ils sont en laiton. Alors, ils peuvent être en adamantium, ce serait pareil. Pour la durée de vie, oui, mais pour le son, peut-être pas. Bah oui, mais attendant, voilà, le problème, c'est que si jamais tu règles une corde avec la première vis ici, par exemple, sur le mi grave, forcément, tu as l'autre à côté qui va bouger. Ah! Ouais, mais en même temps. Moi, je te répondrai, c'est le même problème que les Floyd Rose. Parce que les Floyd Rose, en fait, on a des pontés déjà
déjà pré-réglés en hauteur Ouais. et qui ne correspondent pas forcément à la courbure du manche, surtout avec les touches compensées. Oui, mais pour Donc les du Floyd Rose, coup, tu peux mettre des cales en dessous, des pontés. ah ouais, tu peux. Ouais, Mais qui le fait? Non, mais qui le fait? Qui le fait? Et les radius compensés, plus tu vas dans les aigus, plus c'est plat. ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc finalement, je trouve que ça, ce système à trois là, de barbares d'une autre époque, je peux comprendre qu'on peut trouver ça un peu dépassé, mais finalement, je trouve qu'un Floyd Rose aussi, il faudrait qu'il pense à trouver un système de Floyd Rose où on peut régler les pontées individuellement pour correspondre vraiment au plus proche du radius. Voilà. Et si, ouais, mais si jamais le manche n'est pas compensé, dans ce cas, le problème redevient identique. Beaucoup de guitares ont des manches compensées, maintenant des radius compensés, Oui, quoi. maintenant oui. Pas Donc, toutes, toutes, mais beaucoup, oui. moi, je vois la Charvel, la DK24 que j'ai avec le Floyd, touche compensée, la Sour, touche compensée, quoi. Radius compensé. Mais ce qui n'empêche pas, au fond, je dis ça, c'est juste pour animer, hein. Oui. Ce qui n'empêche pas que ça fonctionne malgré tout très bien, que ça frise pas, quoi. Enfin, surtout sur la Sour. Donc, La sœur, ouais, la sœur. Ça, c'est hein? vrai. Sur la sœur, tu veux Quoi? dire? Pourquoi tu parles de ma soeur, toi? Ouais, moi, Ouais. tu sais, je suis germaniste première langue, hein. Germanie, première langue, je savais que tu étais un vendu. Je Non, plaisante. j'ai mangé du Panzer quand j'étais petit, moi. Panzer Division. Je vais voir si je peux pas faire un réglage plus petit. Voilà, comme ça on peut faire. On peut vous voir. Mais oui, YouTube, regarde. ils sont vachement à la bourre par rapport à la tablette. Oui, c'est normal, il y a toujours le décalage, ouais. C'est normal. T'inquiète pas, c'est normal. Bon, donc voilà, ça c'était. Elle te plaît, ma soeur? Ça, c'est les Corses, ça. Elle te plaît pas, ma soeur? Sans parler que celui de gauche là en laiton, je vois surtout sur les guitares, ils sont tous comme ça, comme ça, comme ça. C'est jamais très droit en plus, Ouais, ça me non, fait c'est toujours jamais très très rigoler. droit. Non, 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 c'est clair que non. Non, Ouais, non. mais qu'est-ce que t'as le son, quoi, t'as le son. Oui, bah, hein, et oh, hein. Non, après, comme ils disent, je vois sur, il y a des internautes qui disent, ouais, mais celui-ci, alors j'ai fait exprès de prendre cette photo, c'est vrai. C'est parce qu'en fait, on peut voir qu'ici, il y a des petites parties sur les côtés qui permettent de légèrement plus faire de réglages Ouais. qu'avec les simples tiges, les tons à l'ancienne, quoi. Donc, Bien ça, c'est vrai. sûr. Hop, abonnez-vous à Le Son est dans les doigts. Oui, tout à fait. Merci de le préciser, Nîmes. Abonnez-vous chez Romain et Gaël. Ils sont super sympas et j'aime beaucoup ce qu'ils font en plus. Donc voilà, ça c'était la première image. Bon, c'était une gentille, hein. Ça va, on était cool pour l'instant, hein. Donc Ça démarre en douceur. ça demande tout ça. Deuxième image. Et vous avez vu, j'ai bossé, n'empêche, hein, pour C'est bien. Moi aussi, j'ai alors, on y monté va. des meubles toute la journée. David Luzi qui nous dit des frettes pas finies, une électronique pas finie, une guitare pas finie, quoi. Bon, alors là, j'ai été vilain, mais volontairement, ce que vous voyez ici, c'est une Harley Benton. C'est quelqu'un qui avait acheté le modèle limité à signature à Goofish. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber qui parle beaucoup, beaucoup de produits qui sont faits chez Thomann, notamment. Pas que, mais beaucoup. Et le truc, c'est que là, il y a ce qu'on voit ici, c'est en fait un des nombreux modèles qui ont été envoyés à des clients et qui était vraiment, vraiment très, très mal foutu. C'est-à-dire que, bon, déjà, la guitare livrée avec des cordes qui sont complètement rincées et rouillées. Ensuite, les frettes, tout ce qui est entouré ici, que vous pouvez voir, ben, en fait, tout simplement, c'est coupé droit. Donc, ce qui veut dire que dès que vous passez la main, ben, vous vous entaillez la main au passage. Le binding ici, il est très mal fini et il y a des passages même qui ont sauté. Donc ça, c'est cool quoi. Mais voilà, c'est mauvaise finition et comme il dit là sur l'écriture, c'est très tranchant, donc c'est pas cool quoi. David nous dit, Harley Benton, c'est les mêmes que Vintage en général, de gros soucis de finition de fret. J'ai dû en retaper une dizaine de neuves en boutique. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. C'est pas ça la fameuse Dodge Qualitat? Ouais, c'est ça. La Dodge Qualitat, oui. Bah là, pour le coup, ça c'est.
Disons que, on en parle souvent avec Jean-Philippe, c'est vrai qu'il y a des marques où on se dit qu'avec le temps, on sait qu'on aura moins de problèmes que d'autres marques qui arrivent actuellement sur le marché. Mais bon, on est à l'abri de rien en même temps. Non. Une marque n'est pas forcément tout le temps à 100% synonyme de ultra bonne finition. Et ça, c'est vrai que c'est très, 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 c'est très, très bof, quoi. Surtout quand tu payes. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu payes un instrument dans les, on va dire à partir dans les 500 euros, si tu as des problèmes de finition, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Voilà. Donc. On peut tomber en panne avec sa Mercedes neuve. Hein. Non, mais ça arrive. Hein. Das Guitar qui dit, oula, j'ai vu la même sur une Les Paul. Ouais, enfin, Pascal Lacave, moi aussi j'en ai 5 et pas de soucis. Oh, bah, tant mieux. Si t'es tombé sur des bonnes séries, voilà. Bon, après, voilà, comme on dit, vous savez, ils font ça par des grosses, grosses, grosses séries d'instruments. Et puis, des fois, il faut aller très, très, très vite. Et donc, du coup, l'ultra bonne qualité, c'est pas ça. Eux, ils réfléchissent en termes de quantité, pas de l'ultra bonne qualité. Alors, pour info, j'ai vu un article récemment sur, je crois que c'était sur le blog de Thomann, récemment, où il disait justement que le responsable Harley Benton, notamment en termes de guitare, il a entendu un message pas d'un collectif, mais d'un groupe de personnes de différentes nationalités qui lui ont fait une lettre très très bien tournée, très polie, pour dire que justement, ils aimaient bien leurs instruments, mais que les finitions, c'était vraiment pas ça, et est-ce qu'ils pouvaient faire quelque chose? Et il a fait un communiqué officiel en disant, j'ai entendu ce qu'on m'a dit, je vais voir un petit peu ce qui est possible de faire dans les meilleurs délais. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'il y a. C'est bon, quoi. Oula, ça s'anime sur le blog. Ouais, mais pour 100 balles, ça passe. Oui, tu m'étonnes. Il n'y a pas de secret. Des coups bas impliquent beaucoup de déchets dans la production. On peut tomber sur des très bons modèles, mais quand même, alors c'est vrai aussi chez les grands noms, mais plus rares. Oui, bah ça, t'as raison, Jean-Jacques. Oui, Oui. il y a des gens qui ont des problèmes sur du vigier. Moi, j'en ai eu quelques-unes, j'ai jamais eu aucun problème. Ouais. Voilà. Donc, Après, le binding, c'est pinaillé, c'est jamais parfait, même sur des gros gros modèles. Oui, alors disons que c'est à partir du moment où tu payes pas ça, des 100 et des 1000, bon, tu peux être beaucoup plus coulant. Là, sur la photo, je me dis, bon, ça va, il y a pire, il y a vraiment pire dans la vie que ça. Mais bon, pour ce que je dis, les bindings, c'est une chose. Par contre, les frettes, on est bien d'accord, les frettes, ça, non, 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 non. Moi, quand je reçois un instrument, j'ose espérer que le bord des frettes, au moins, c'est pas des lames de rasoir qui vont m'entailler la main, quoi. Parce que là, faut pas déconner non plus, ouais, quoi. surtout que se raser son manche de guitare, c'est pas pratique quand même. Après, tu as les cordes rouillées, effectivement. Ouais, un coup de rouillé, ça. Pff. Là, la guitare, je crois que de mémoire, elle était vendue dans les 500 euros. Celle-ci. Ce qui commence à compter pour une Harley Benton, honnêtement, parce que pour 500 euros, t'as moyen d'aller voir aussi qu'est-ce qui se passe chez Epiphone, chez LTD, chez des marques comme ça qui ont un peu plus pignon sur rue déjà, et où tu peux avoir des trucs où tu te dis que t'as moins peur, quoi. Si t'as pas peur, tu peux avoir un instrument d'occasion sympa. Exactement, exactement. L'instrument d'occasion sympa aussi, c'est vraiment à Une vraiment. petite Ibanez ERG Japan. Ouais. Black Winter, au pire, une paire de gantelets d'armure de chevalier, c'est bon, tu sens plus les frettes. Ces jeunes font toujours apprendre. Nîmes, à 500 euros, c'est un scandale, les frettes sont limite posées sur le bois. Ouais, non, mais je crois que le mec, en fait, il a taillé les frettes avec la pince et puis il a dû faire ça un lundi matin, il avait pas envie de bosser, il s'est dit, oh, bon, je ferai les bords une autre fois, quoi. Ça, c'est bon. Dans un magasin de bonne facture, logiquement, ils changent les cordes directes, dit David. Oui, c'est vrai. Denis dit le tétanos est offert au passage. Est-ce que tu as d'autres remarques, JP, par rapport à tout ça? C'est la photo que je montre. Je m'en fous, j'achète pas ces merdes. Oh, tu dis ça parce que t'es en colère. Ouais, tout à fait. Non, non. On a encore des choses comme ça qui sortent. Mais ça, c'est le risque de l'achat à distance. On peut avoir des surprises. Et puis, un débutant ne sait pas forcément où il met les mains. Mais Ouais. quand tu veux t'acheter une deuxième guitare, tu as un petit peu d'expérience. Soit tu renvoies direct, soit en fait, tu vas acheter une guitare dans ton magasin et puis c'est tout. Ouais. Voilà.
Parce que tu es à même de pouvoir exiger à ce moment-là d'avoir des cordes correctes. Et puis si la finition n'est pas bonne, bah, tu n'achètes pas, c'est tout. C'est un peu le problème des achats à distance. La plupart du temps, ça se passe bien, mais régulièrement, on voit sur le net, c'est peut-être une petite quantité, mais on voit quand même qu'il y a des soucis. Mais c'est des soucis que tu éviterais. Pour la plupart d'entre nous, c'est des soucis qu'on éviterait si on achetait la guitare dans notre magasin préféré ou dans un magasin de musique tout court, peu importe si on préfère ou pas. Parce que tu as la guitare devant les yeux, tu passes la main, tu peux regarder le manche, tu as un peu d'expérience. Voilà. Là, le fait que ce soit à distance, je pense que ça peut aussi conforter ces gens-là à avoir un contrôle qualité un petit peu douteux parfois, quoi. Je sais pas, disons que je pense que quand même que Thomann, alors sans chercher à jeter la pierre à Thomann forcément, mais au bout d'un moment, quand ils reçoivent leurs instruments, je pense qu'il y a un contrôle qualité qui devrait être un petit peu plus accru, je Oui, mais pense. Thomann, c'est toujours pareil. Pépère Thomann, il veut gagner de la thune. Il n'est pas là pour enfiler des perles. Donc, ça veut dire que dans l'entrepôt, s'ils ont un rayon guitare qui est géant, s'il faut 30 mecs pour tenir la distance, il va en payer que 20, quoi. Ouais, bah ça, Donc, au bout oui, d'un tout moment, à les fait. mecs, ils doivent plus avoir le temps. Je pense qu'il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Et le contrôle qualité, ben, les gars, ils en font un sur trois au lieu d'en faire un sur un, quoi. C'est tout, parce qu'ils n'ont pas le temps. Les mecs doivent pas avoir le temps, Thomann. Ça doit être comme Amazon, tu vois, pas loin, quoi. Ok, on est bon Tu les vois ça gens? comme ça. Le contrôle qualité, c'est un prélèvement de quelques pièces, pas à 100. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Du coup, il y en a quelques-unes qui peuvent passer. Ils doivent faire des lots, quoi. Sur des lots, comme tu disais, Manu, ils en prennent quelques-unes, ou comme Pascal le dit, ils testent, et puis le lot, il passe, quoi. Et puis, bon. Après. Le problème Thomann là-dessus, ils sont réglo, hein, parce qu'ils te payent le bon de retour, ils te payent tout, quoi. Mais c'est chiant quand même, quoi. Tout à fait, oui. Bah ouais. David Migaud, je confirme, il n'y a pas de grosse différence sur la lutherie. Bah, tu vois, les amateurs et les pros sont là. Thomann sont malheureusement très bons et ils s'occupent des guitares, mais plus à partir de 1500 balles, où ils font le truc de la régler et la checker. Mais plus à partir, pardon, de Plus, 1500 je peux balles. pas plus, quoi. Plus, oui. Plus. Bah ouais, c'est vrai que. Ok, bon. On y va. Alors, Olivier Payan dit un truc. En magasin, c'est pas plus cher. Et s'il y a un problème, tu peux mettre un coup de boule au gérant. Plus compliqué à faire par la poste. Alors, sans aller jusqu'au coup de boule. Oui, on a toujours des moyens de moyenne. Et puis déjà, dans ton magasin, normalement, sauf, je dis, pour les gens peu éclairés, la guitare, elle vient, tu poses les mains dessus, tu dis non. Voilà, c'est tout. Tu dis non. Moi, j'achète une guitare qui doit être fonctionnelle, elle ne l'est pas. J'en veux pas. Voilà. Voilà. What else? Allez, on passe à l'image suivante, les gens. On continue. Donc, cette fois-ci. Ah bah Ah tiens, oui. regardez qui c'est qui est là. Oh, qui c'est? C'est Nîmes. Il est encore là, lui? Ou il est allé se Moi, je coucher? pensais que c'était Montpellier, moi. Donc, Oui. Nîmes, le copain Nîmes, donc, qui avait participé, merci à lui. Vibrato, ponté et scié merdique sur les Stratocaster. Bon. Là, c'était facile. Je vous ai mis quoi en illustration? Vous aurez tous reconnu les fameuses photos qui viennent d'un célèbre site asiatique, n'est-ce Qui font de la pub à la télé, tu veux dire, en ce moment? Avec le petit lapin qui sort de terre? Et tu sais quoi? Comme je regarde pas la télé, c'est toi qui m'en as parlé. C'est AliExpress, font de la pub à la télé dorénavant. Et franchement, quand tu m'as dit ça, je suis resté sur les fesses. Hein. J'y Par croyais contre, pas. de toute façon, ça s'exporte bien. Bah, après le Covid, ils exportent tout. Mais ils ne font pas que de la contrefaçon, c'est pour ça qu'ils peuvent le faire. Enfin, honnêtement, je ne sais pas s'ils font. Enfin, il faudrait voir comment ça fonctionne. Je dis contrefaçon, mais il faut voir comment ça fonctionne, quoi. Moi, je pense Parce que que... AliExpress, en fait, eux, ils doivent mandater des gens qui travaillent. Tu sais, c'est un petit peu quand tu achètes un truc chez Boulanger Darty sur le marketplace, en Ouais. fait, c'est pas eux, quoi. Non, c'est pas eux, ouais. Alors, là, et puis il y a la loi, les lois chez eux, il y a les lois internationales, donc Ouais. ça doit être compliqué à Oui, mon Nîmes, avis. c'était bien toi. Oui, c'est bien toi qui as écrit ça, là. Oui. Je crois que j'étais contrarié ce jour-là. Bah, disons que... Au bout d'un moment, tu sais, moi, tout ce qui vient de Chine, notamment comme ça, qui ressemble de loin, enfin, qui vient de loin à quelque chose,
Quand je me dis que quelque part, tout ce qui est, on va dire déjà au niveau personnel, la Convention de Genève, ils en ont un peu rien à foutre pour l'humanité. Donc je pense que les lois sur la contrefaçon et tout ça, oui, on est au courant, mais je crois qu'on s'en bat un peu les steaks. La Convention de Genève, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Mais c'est pour dire qu'en fait, simplement, quand tu as les élémentaires en disant qu'il y a des trucs à respecter quand même, ils savent que ça existe, mais en fait, ils ne le respectent pas du tout, ils n'en ont rien à battre, quoi. Ah, mais Manu, c'est qui les responsables? C'est eux ou c'est les mecs cachettes? Tout à fait. Très C'est bonne tout. remarque. C'est tout. Ça sert à rien de gueuler sur la Chine et d'acheter que du chinois. Ah, tout à fait, non. Je veux dire, s'il y en a qui achètent et qu'ils ont des prêts à mettre des thunes là-dedans, bon, ben voilà, quoi. C'est Après, tout. bon, je pense que vous êtes tous assez intelligents pour comprendre qu'il faut pas acheter là-bas, parce que il y a aussi les entourloupes. Alors, les contrefaçons, c'est une chose, déjà. Les malfaçons, alors ça, je pense que là, nos amis luthiers ou ceux qui ont eu des instruments entre leurs mains et qui viennent de chez AliExpress, je crois que vous pourriez remplir un bottin, tellement il y a des anecdotes par rapport à ça. Hein. Je pense aux manches vrillées, les problèmes de finition, notamment des frettes, des bois qui commencent à craqueler, le bois du corps, on vous dit que c'est tel bois, mais en fait, vous vous rendez compte que c'est du bois de cagette. Bon, bah, voilà quoi. Comment dire, hein? David, j'ai une technique pour vous, pour avoir des trucs gratuits sur Wish, comme les Here, annoncés Shure. Ce sont des copies, mais qui sont en fait très très bonnes. Ah, bon. Il Pascal, nous envoie nous. ça en MP. Comment tu dis? Il nous envoie ça en MP. Oui, c'est ça. Pascal Noguès a une bonne remarque. Et pourquoi les industriels ont voulu installer des usines là-bas pour fabriquer le matériel qu'ils nous vendent? Bah oui. Bah, quand j'avais passé un moment avec Patrick Ronda pour faire l'interview, la deuxième interview que j'avais faite de lui, c'est vrai qu'il me disait, il disait, moi, je comprends pas. Avant, en France, on avait des usines qui fabriquaient des pièces et des jouets pas loin de là où il habitait à l'époque quand il était gamin. Et on a tout délocalisé à plusieurs milliers de kilomètres pour que ça coûte moins cher. Entre la taxe carbone, la perte d'emploi sèche pour les gens, etc., etc. Bah, au bout d'un moment, tu te poses des questions, quoi. Donc ça, plus si jamais tu participes au truc en achetant, bah, au bout d'un moment. Enfin, toi, tu poses des questions, pas eux. Ah non, eux, ils se posent pas des questions, non. Mais on est dans une société qui s'appelle société de consommation quand même, hein. Donc, si tu veux plus acheter chinois aujourd'hui, tu vas être dans le caca, hein. Ouais, tout à fait. Tu veux t'acheter une guitare qui n'est pas chinoise, il va falloir que tu aies un peu de pépette, hein. Et puis, il va falloir arrêter les téléphones portables aussi, hein. Ça, c'est Parce un que encore. Ouais. Les usines en Chine de Apple, hein, le montage, voilà. Donc dans ce cas-là, comment tu fais pour avoir un téléphone portable? Je ne sais pas si aujourd'hui au monde il y a un téléphone portable qui est fait ailleurs qu'en Chine. Hein. Ouais, je Peut-être sais. que oui, si on a qui ont des infos, ça m'intéresse. Mais Ouais. comment tu fais? Bah, tu n'as plus de portable, tu n'as plus de tablette, tu n'as plus de télé, tu n'as plus rien. Parce que même tu prends Apple, bah, c'est fait en Chine. Hein. Enfin, si je ne me trompe pas, j'ai vu des émissions, c'est fait en Chine. Hein. C'est monté en Chine. Oui, c'est un frère en Donc, Chine, oui. ok, c'est des gens spécialisés, ok, c'est super bien fait, ok, c'est tout ce que tu veux, comme les Samsung haut de gamme et compagnie, quoi. Mais tous les téléphones haut de gamme. Mais si tu veux échapper à la Chine, ça risque d'être très, très, très compliqué. Ou alors, tu t'achètes une fois un portable et après, tu joues avec le reconditionnement, des choses comme ça, de telle façon à continuer à vivre un produit et ne pas continuer à alimenter la Chine. Mais ça risque d'être compliqué, hein. Ouais. Il y a Dexter6662 qui dit Apple, leurs usines sont à Shenzhen. Ouais, tant que ce soit pas Yuan, ça va, non. Pascal Mais ouais, Noguès, voilà, c'est ça. Thomson fabriquait en France du matériel électronique grand public, magnétoscope, télé, et tout a été vendu à Samsung. Bah voilà. Voilà. Bah, Bravo ça la me France. saoule. Mais il n'y a pas que la France, hein, c'est tous les pays. Hein. Oui, bah ça c'est. Bon, bref. Tout ça pour dire que tout ce qui vient de Chine, évitez, franchement. D'abord, faites travailler le commerce de proximité, tant bien que mal. Si vous avez des pépettes, passez sur du bon, du très bon haut de gamme.
fabriqués si possible en France, parce que franchement, tant qu'à faire, hein, on a des luthiers, faisons-les bosser. Et puis en plus, c'est toujours sympa d'avoir un contact avec le mec qui va vous fabriquer votre instrument, quoi. Après, il y a des luthiers. Moi, j'en parlais avec Jean-Yves Alquier. À une époque, je ne l'ai pas fait, mais toi, par exemple, il me proposait. Mais j'avais dit, ouais, si tu devais me faire un montage, tu sais, t'achètes des pièces. Et le montage, et bon, c'est vrai qu'on se connaît un petit peu. Il m'a dit, ouais, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, ça peut être aussi encore une façon d'amortir au niveau frais, parce que, bon, bah, on n'a pas tous des 1000 et des 100. Hein. Et puis, d'avoir une guitare qui peut être de bonne qualité. Et puis, en plus, tu as le contrôle qualité de ton luthier, quand même. C'est ça. Voilà. Alors, ça peut être une guitare simple. Des fois, il ne faut pas avoir la folie des grandeurs. Hein. Une guitare simple, un corps, peinture simple, un manche simple, etc. Tu peux réussir à avoir un instrument qui va t'accompagner longtemps, avec des pièces françaises, et puis sans pour autant te ruiner. Hein. Je Tout à pense fait. qu'il faut fouiller. Et puis des jeunes luthiers qui ont envie de se faire connaître. Ou Nicolas, tu fais des guitares à 100 euros. Donc, il y a peut-être des choses à faire, quoi. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire que vibrato ponté ici et merdique sur les Stratocaster. Bon là, j'ai pris exprès AliExpress, mais quand on voit que je suis sur Center Fender, même American Elite, je sais pas quoi de la mort, des fois on a des petits soucis. Alors pas souvent, heureusement, mais quand on voit que ça peut arriver, ça pique quoi. Au prix de l'instrument. Mais on peut pas échapper au problème sur de la série, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a toujours de ci, de là, un petit accident. Moi, j'ai eu des bass plates de Floyd Rose qui étaient pas terribles. Fait par chaleur. Pas Ouais. terrible. J'en ai eu, toi. Et plutôt des temps proches, où j'ai un peu galéré pour les faire fonctionner correctement. C'est comme ça. Et qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça, maintenant c'est comme ça. Tout est en série, tout est en série. Même qu'on monte en gamme, on se rend compte qu'il peut avoir des soucis. Voilà, c'est comme ça. Parfait. Et les pièces haut de gamme coûtent de plus en plus cher. Ah, le pièce de gamme, oui. Là, j'ai regardé. Bon. Je ne vais pas parler de l'inflation qui a sévi récemment parce qu'on est tous d'accord que tout a pris au moins 20% de plus au niveau du commerce. C'est un truc de dingue. Voilà. Mais là, je regardais par exemple, tout à l'heure, je regardais certaines pièces chez Chaleur dans des commerces. Oh, oh les prix, j'ai dit. Putain, le prix. Heureusement que j'étais assis. Hein. J'ai dit, oh, c'est des pièces de guitare, c'est pas des lingots d'or que je demande. Hein. Ouais, mais c'est comme ça. La musique, ça coûte cher. Ça a toujours coûté cher, la musique. Moi, quand j'avais 20 ans, que je voulais m'acheter une guitare Made in USA, ben, je pouvais pas, quoi. Moi, je rêvais de m'acheter une belle Hammer Santora. Ça coûtait 12 000, 13 000 francs. Je gagnais même pas la moitié, quoi, par Ouais. mois. Ah ouais. Donc, c'était qu'un rêve que je pouvais essayer à Calife Music, quoi, ou des choses comme ça, à Pia, quand j'étais sur Paris. Et je me faisais plaisir pendant 10 minutes, j'étais heureux, et puis dans la cabine, et après je pouvais pas, ça coûtait trop cher. Ah Ça non, coûtait ça trop c'est cher. clair. Donc la musique, ça coûtait. La musique s'est démocratisée avec la Chine, avec la Corée, avec la Chine. Mais ça, il y a un prix à payer aussi. Voilà, il y a un prix à Ouais. payer. Maintenant, la guitare s'est démocratisée. Le problème sur lequel on a appuyé souvent tous les deux, c'est la qualité des produits. Je maintiens qu'à partir du moment où tu fais 2 heures de gratte tous les jours et tu te colles 50, 100 concerts, 200 concerts par an, t'as de grandes chances que ta guitare elle explose en vol, quoi. Parce que ça va pas tenir. Voilà. Et je l'ai déjà dit, j'ai l'exemple en main, tu vois. Si j'avais cette seule guitare, une Charvel, alors c'est peut-être propre à ma façon de jouer, mais en termes de fretage, si j'avais que celle-là, je pense que dans 2 ans, j'ai plus de fret, quoi. Et ça coûte 900 euros, quoi. Mais c'est une réalité. C'est la réalité aujourd'hui. Alors, c'est pas chinois, c'est mexicain. C'est le même problème. Hein. Je pense pas que les Mexicains soient payés beaucoup plus cher que les Chinois. Et c'est le même problème. Voilà. Aujourd'hui, si tu veux de la frette solide, balèze, comme il y avait à l'époque, comme il y a chez Vigier ou qu'il y avait chez Lac, des trucs comme ça, où je mettais plutôt 6, 7 ans, 8 ans à refretter. Alors que j'avais ma première Vigier, j'avais juste deux guitares, quoi. Je sais pas, j'ai mis plus de 7 ans. C'est Jean-Yves qui me l'avait refrété. J'ai mis plus de 7 ans avant de l'emmener en frettage. Une guitare comme ça, si j'ai deux guitares, celle-là par exemple, Lock DK, j'ai que ça, je tourne. Moi, les deux, je pense qu'en 4 ans, les deux sont rincées, quoi.
Parce que niveau qualité, c'est bien pour gratter à la maison, s'amuser, tout ça, mais dès que tu as un jeu qui est intense, dès que c'est la contrepartie, c'est-à-dire que c'est il y a un accès pour tous, mais malgré tout, lorsque la musique devient une préoccupation beaucoup plus grande dans ta vie, il faut quand même à un moment, à mon sens, penser à l'au-dessus, faire des économies et puis passer au-dessus. Voilà, voilà. C'était la pensée du jour, pensez-y les enfants. Je lis vos commentaires, il y en a plein qui arrivent en même temps, là c'est génial quoi. Nîmes, j'aime bien. La musique s'est démocratisée avec Bruce Lee et le Jeet Kune Do. Et il y a un truc, il y a une remarque que Mathieu Lionel fait là. Thomann a explosé les prix de Saga Marley Benton pendant le Covid. Alors là, c'est clair, hein, parce que moi, je les suis de près et tout a pris 50 balles. Hein. Suis d'accord, je suis d'accord. Tout a pris 50 balles. Tu sais, on en a parlé, Manu, déjà tous les deux de ça. Les prix sont emballés chez eux. Alors, je ne pense pas que ce soit forcément peut-être à cause de Thomann. Hein. Où ils ont profité, où je pense qu'il y a eu des problèmes de prix qui ont augmenté à la source aussi. Je pense que c'est très fort probable, oui. S'il y en a. Pascal, il dit les prix de la bouffe dans les supermarchés ont gonflé aussi. Bah oui. Moi, j'ai amené ma grand-mère l'autre jour faire ses courses, là, d'hebdomadaire. J'ai regardé les prix, je fais ouh, quand même, hein. Ouais. Chaud. C'est bon, maintenant je bois seulement. Et bon. Bon, allez, on passe à l'image suivante, les enfants. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais vous sortir? Jean-Philippe Pactol, qui me suit depuis le début de la chaîne, merci à lui. Un vibrato si cheap qu'il est inutilisable à la place d'un chevalet fixe. Alors là. Pourquoi il m'a piqué mon prénom, Il est fan de toi, en fait. lui? Ah, super, je l'adore déjà. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un magnifique, ironie bien sûr, vibrato type Floyd Rose Speed Loader. Youpi! Alors, pour ceux qui ne savent pas, ben c'est un vibrato biodégradable, comme disait 10-15. Je l'ai toujours dans ma signature sur G-Com. C'est génial! C'est biodégradable et vibrato chinois. Donc, ben, vous pouvez voir, déjà, c'est fait dans du métal qui n'est pas du vrai bon métal. C'est. Au bout de quelques heures de jeu, déjà tout est rincé, les couteaux ici se bouffent, il n'y a pas de nom véritable ici. Alors comment ça marche? Ben, tout simplement, c'est que les cordes s'enfilent dans les tubes qui sont là à l'arrière. Ça ressort par là et ça va être accroché ensuite au haut du sillet et serré par le bloc-corde. Donc du coup, c'est complètement débile parce que du coup, ça n'a plus du tout l'utilité d'un Floyd Rose. C'est comme si vous aviez un vibrato vintage, tout simplement. Et c'est très 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 mauvais. Et effectivement. Avec Jean-Philippe, le nombre de fois où on vous l'a répété dans les tests guitare qu'on a fait. Mais quelle époque, même les micros s'enfilent. Elle est bonne, J'adore. celle-là. Déjà qu'il y avait SFR et le mot t'enfile. Donc, en fait, voilà, il vaut mieux, comme on disait avec Jean-Philippe dans le cours de nos tests, il vaut mieux avoir un chevalet fixe, même moyen, plutôt qu'un mauvais Floyd Rose, définitivement. Définitivement. Mais là, c'est vraiment. Il n'y a pas à tortiller ça. Ça, c'est vous le prenez, vous le jetez poubelle direct. Vraiment poubelle direct. Et encore, si vous avez ça sur une guitare, je pense qu'on peut très légitimement se poser des questions sur la qualité intrinsèque de la guitare en elle-même aussi. Hein, parce que là. Voilà quoi. Faut pas. Hein? Bon. Donc, effectivement, Jean-Philippe, je suis d'accord avec toi, Jean-Philippe Pactol. Un vibrato si merdique. Il vaut mieux avoir un chevalet fixe, oui, non, mais ça c'est définitif pour moi, c'est clair. Quelque chose à rajouter, Jean-Philippe, l'original? Non. Je te remercie, non. Je m'accorde, pardon. Les cordes aussi s'enfilent, oh, voilà, ça part en steak là. C'est une soirée d'amour, Voilà, pleine c'est. d'amour. Allez, image suivante. Ah, Denis, il est là, le Denis. Donc Denis, le modérateur, qui est là Ça fait un avec nous moment parmi qu'il est nous. là. Comment? Ça fait un moment qu'il est là, Denis. Ouais, ça fait un moment qu'il est là. Attends, j'ai merdouillé. Hop, je reviens sur l'image, pardon. Voilà. Donc, Denis qui nous disait, déjà, je crois qu'il faut parler du premier élément, les cordes d'origine, c'est une honte, il devrait sortir des séries Tétanos. Bah ça, oui, alors comme vous pouvez voir là sur l'image que je vous ai montrée, les cordes, elles sont complètement rincées.
C'est des cordes d'origine qu'on trouve chez Harley Benton. Bon, vous allez dire que je leur en veux à Harley Benton. Non, je leur en veux pas, rassurez-vous. C'est juste un constat. C'est pas méchant. Ensuite, il dit, je pourrais ajouter la marque Lag, qui a fait un partenariat avec Godin pour la série Arcane. Enfin, je parle des poils Godin pour la partie corde guitare. Même matière que les granulés qui vont dans les poils. Moi, je trouve que là, ils ont mal fini, mais bon, c'est comme ça. C'est ouais, dommage. Non, mais là c'était pas bon, quoi. Là, ils ont. Là, ça, c'est vraiment une histoire qui est partie en. Merde, pourquoi j'arrive pas à faire ce que je veux, moi? Il m'énerve, ce truc. C'est vraiment parti mal et je regrette vraiment parce que, bon, bah, nous, on en parle souvent avec les lags qu'on a eues. Celle que tu as encore, c'était des putains de bons instruments, les lags. D'ailleurs, j'ai vu que David, tout à l'heure, il parlait d'une guitare qu'il n'arrivait pas trop à identifier un peu avec une finition à Van Halen. Si quelqu'un a des éléments, n'hésitez pas à le lui partager. Et donc, tout ça pour dire que oui, effectivement, l'histoire de Lac, ça a été un gros, gros gâchis à mon sens. Donc, bon. Après, je connais pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Mais c'est vraiment dommage. Voilà. C'est vraiment dommage. Mais effectivement, les guitares actuelles de chez Lag, notamment la petite guitare, la AK-66 de mémoire. AK-47, non? AK-47, non, c'est pour faire des trous, ça. Ouais, mais enfin, pour moi, Lag, c'est mort, ça n'existe plus. Non, non, Lag, c'est. Pour moi, Lag, c'est niet. Non. Les Lag, toutes les séries arcanes qu'ils ont sorties là, même en dernière, c'est même pas la peine, quoi. Donc. Disons que moi, j'ai une arcane française, mais malgré tout, il y a des pièces de merde dessus. Elle est bien, elle sonne bien, mais hormis les EMG. Le vibrato, enfin le vibrato, c'est une chinoiserie, c'est une horreur. C'est une 1000 que tu as, toi, non? Non, 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 c'est pas un 1000, c'était un 10, je pense. Arcane 10? Non, non, le vibrato, c'était un Floyd Rose 10. Ah, le Floyd Rose, pardon, je croyais que tu parlais. Non, je te parlais du nom de la guitare, c'est une Non, série non, quoi. L'arcane que j'ai, c'est la CB15. Ah, c'est CB15. Ouais, Custom Beat Dario 15. Et dessus, le vibrato qu'il y avait dessus, c'était juste honteux. C'est-à-dire que. Les trois vis sur la base plate, hein, tu me suis, hein, Manu? Oui. Ben, elles n'étaient pas alignées. Oui, je me rappelle. Et le bloc, ça fait que le bloc sustain, en fait, sur la base plate, il était de travers, quoi. Le bloc sustain était comme ça, la plaque, elle était comme ça, quoi. Le bloc sustain, il était comme ça, quoi. Ben, il faut pas déconner. C'est du métal, mais avec les dents, tu le tordais, je suis sûr. Ça, dans le truc du cirque, tout ça. Et en plus, ils ont réussi à foutre un scié à la con. C'est-à-dire, j'ai pas pu changer le scié parce que le perçage, les trous du scié, c'est pour changer le blocage de corde, ne sont pas situés au même endroit qu'un Floyd Rose, qu'un scié chaleur, quoi. Ah, c'est un truc bâtard. Ouais, donc j'ai voulu mettre un R3 que j'ai pas pu. Ou alors, il faudrait que je rebouche avec un enduit quelconque bien solide et que je reperce pour poser le scié, pour percer le scié. C'est-à-dire le scié a le même gabarit, sauf que les vis ne sont pas au même endroit. C'est bien. Hein, et la tout France... ça pour une tout ça pour une guitare made in France vendue prix catalogue 1590 €, je crois. Donc je pense qu'il valait mieux qu'ils arrêtent. Honnêtement, c'est peut-être méchant, mais je crois qu'il valait mieux qu'ils arrêtent parce que ça tournait vraiment au vinaigre leur affaire. Bah, quitte à continuer comme ça, ouais, valait mieux que ça. Ah bah, enfin, bref. C'était n'importe quoi. Nîmes, j'ai une Lag Arcane, c'est pas trop mal, mais c'est le genre de guitare un peu fragile pour le rôle qu'elle est censée remplir. Mais la mienne est pas trop mal, c'est une ancienne. Ouais. Après, ouais. Après j'ai ma Rockline Custom de 91. Ouais, bon là c'est plus le même univers là. Bon, c'était le bon vieux temps. Là, ça, c'était des vraies guitares, ça. Tout à fait. David, ah bah tiens, les Lag Folk d'il y a 7-8 ans, ça fait très très peur. Je viens d'en bosser une. Toutes les bords des frettes coupées. Un gros travail de ponçage de frettes pour une guitare pas folle. Ouais, en plus, ouais, tu vois. Oui, Nîmes, tu peux mettre un lien. Vas-y, vas-y. Mets un lien d'une vidéo que tu as fait avec l'Arcane. Il n'y a pas de problème. You are welcome, my friend. My friend. Salut Arnaud Fender, sois le bienvenu. Oui, mais mettez des liens, les gars. On est là pour discuter ce soir. Hein. On n'est pas fermé. Donc, en tout cas, voilà. Merci, Denis, pour nous avoir fait partager ton point de vue là-dessus. Ouais, peut-être... dans les années 90, il y avait des Metal Masters sympas. Ouais. Ah oui, les Metal Masters, c'était très bien ça. Oh, ouais, c'est sympa. Ouais. Ça, c'était j'en ai revendu une à un mec que je connais bien d'ailleurs. Ah ouais, non, ça c'est bon. Legator, ça ne compte qu'à été. C'est de l'adobe. Voilà. J'ai dit. Legator, c'est pas bon.
C'est comme Terminator, ça finit mal. Non, mais c'est vrai, ça c'est pas bon du tout, pas bon du tout. Ah Alors, je vous bon, pourquoi explique ça finit pourquoi. mal? Si vous recherchez sur Google, alors je crois que c'était Legator Guitar Custom Issue, I2SUE. Issue, ça veut pas dire une issue, ça veut dire les problèmes en anglais. Si vous regardez, vous allez voir qu'il y a un gars qui a commandé un jour une Legator Custom parce ils ont un custom shop. Et le gars, tout le long du process, non seulement il s'est fait mener en bateau, mais en plus, quand il a reçu la guitare, il avait demandé des EMG sur la guitare. Le gars, il avait posé un fer à souder sur les EMG. Ouais, mais c'est pour avoir le son métal. Ah Tu comprends rien, toi. Faut tout expliquer. Non mais vraiment, le gars du coup il a hurlé en disant non non c'est pas bon, rends-moi ça. Il a renvoyé la guitare, l'autre de chez Legator il a encore fait un truc. Et à la fin il lui a renvoyé la guitare et il y avait encore des problèmes parce que les micros marchaient pas, parce que tout allait pas bien. Alors le gars il a dit écoute voilà ça fait 7 mois que tu me balades, toi tu me dis que dans 2 mois la guitare est finie, moi je te crois, là ça fait 7 mois, il n'y a que des soucis. Tu m'envoies une guitare avec le micro qui est défoncé à coups de fer à souder. Et ça se voyait vraiment. Hein. Cherchez sur Google. Et du résultat des courses, quand il a demandé le remboursement de la guitare, il a dit, je veux qu'on arrête là, tu me rembourses, on n'en parle plus. Il s'est fait insulter par le propriétaire de Legator. Mais c'est parti en steak. Il a montré les captures d'écran. Mais il s'est fait défoncer. Donc vraiment, Legator, voilà, pour moi, zéro. Donc ne prenez pas des Mais c'est quoi, Legator. les gâteaux en fait? C'est quoi? C'est un mec qui fait des montages? C'est quoi? Alors, j'ai pas regardé la question, mais de ce que j'ai compris, le mec, en fait, il a voulu faire un peu Oui. comme Carvin Kiesel, en fait. Ouais. Un petit peu le même principe. Il sort des modèles de série qui vont comme ça. Il y en a deux, trois encore qui se baladent, je crois, chez Thomann de mémoire. Mais franchement, voilà quoi. Franchement, non, 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 non. Ne prenez pas des Legator. Ne prenez surtout pas ça. Là, vous allez perdre de l'argent et C'est quand c'est même pas le but. Mediator, c'est dangereux pour la santé. Voilà. Pas cela, hein. Non, pas cela, non, non. Donc voilà. Allez, image suivante. Ricky Power. Alors, Thibaut Triat. Donc, Thibaut qui me suit aussi, très très bon guitariste qui est plutôt en tendance djent. Les plaques électroniques ressortent avec des vis. Faut tout remplacer par des systèmes aimantés. Mais carrément. Carrément. Alors là, ce que je vous ai mis en illustration, pour certains d'entre vous, vous l'aurez déjà reconnu. Donc, j'ai laissé en bas l'image de Rémy Jelutry. Donc de Charles-Antoine, qui a fait donc là, ça c'est la guitare de Nono, de Neo Geo Fanatic. Et comme vous pouvez le voir ici et là, il a fait des petites encoches pour qu'on puisse soulever les plaques. Et en fait, à certains endroits de les plaques, il y a des petits aimants qui viennent se coller et ça fait adhérence. Et du coup, il n'y a pas besoin de visser, dévisser dans le bois, etc. Parce qu'au bout d'un moment, bah, c'est bien connu qu'à force de visser et dévisser dans le même trou avec les vis, même si tu changes de pas de vis en mettant plus petit ou plus grand, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu abîmes le bois, il commence à foutre le camp. Et au bout d'un moment, bah, ta vis, tu l'avais, voilà, ça tombe, le trou est trop grand, beaucoup trop grand. Donc du coup, tu as C'est tout pour ça que défoncé. la plupart de mes guitares avec Floyd, donc la plaque, je l'ai enlevée. Bah voilà. Tout simplement, pour pas Voilà. Bon, pour flinguer. l'électronique, c'est un peu moins pratique par contre, mais bon. Ouais, mais bon, on ne change pas d'électronique tous les jours. Non, Enfin, heureusement. moi, non. Certains, peut-être, moi, non. Non, non, pas tous les jours, non, quand même pas, on est d'accord. Mais bon, ça c'est pour ça, pour dire que franchement, voilà, là ce qu'il a fait Rémy, c'est du super bon boulot, c'est très très bien. Je crois que si je dis pas de bêtises, je sais pas si 10-15 il fait pas ça aussi. Je sais pas, dites-le-moi ceux qui le savent parce que. Mais ce système, ça fait un moment qu'il existe, hein. Oui. Je l'ai vu en d'autres circonstances. Après, c'est vrai que c'est pas forcément démocratisé, mais c'est vraiment ingénieux en tout cas. Ouais. Là, tu vois, Nîmes aussi, il dit, moi je vire la plaque aussi, j'ai la flemme de la remettre. Voilà. Ah, Denis, il est un pacemaker, lui. Skaversen. Ouais. Skaversen fait le système de plaque aimantée, il me semble. Je crois aussi, oui. Hey, Walid! Salut, bienvenue, mon gars. C'est chouette de te voir. C'est chouette que tu puisses venir faire un petit tour avec nous. Donc voilà, tout ça pour dire que, excellente remarque de Thibaut, voilà, donc effectivement, les systèmes de plaques avec aimant, si tu veux les garder, et avec surtout la petite encoche ici qui permet de soulever ça, donc très très bon travail de Rémy Jelutry, super,
C'est super de pouvoir avoir ce genre de système et c'est vrai qu'on se demande pourquoi ça ne s'est pas démocratisé plus que ça, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Bah, démocratiser, je pense qu'il y a tout, y a toujours une histoire de coût hein, qui traîne derrière. Hein. Ah mais toujours, oui, ça je suis d'accord avec ça. Je pense que même quand les mecs ils font, même chez ESP, quand ils font une E2 à 2200 euros, à mon avis, ils calculent les coûts de A à Z, où la guitare doit se retrouver sur le marché, à quel prix, dans quelle fourchette de prix. Et ils n'ont pas envie qu'elle soit à 2003, ils ont envie qu'elle soit à 2000. Et puis d'autres, je pense que tout est calculé au cordeau. Et voilà quoi, donc ça peut être compliqué. Peut-être que pour eux, faire une chaîne pour faire que des systèmes comme ça avec des plaques aimantées, ça va augmenter les prix et puis ça va être au-delà de l'intervalle de prix où ils veulent être. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a quand même, parce que ça, tout le monde le connaît. En fait, tous les gens qui s'intéressent à la lutherie et les fabricants, ils savent que ça existe. S'ils le font pas, c'est qu'il y a bien une raison. Là, Rémi, tu lui dis, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Après, il dit, bon, bah, ok, il me faut tant de temps, et puis ça coûtera tant. Tu veux pas, tu peux pas, quoi. Après, quand tu peux, c'est sûr que je trouve ça génial. Bah oui. Non, mais je suis d'accord. Das Guitar qui dit, c'est pas forcément le coût, mais ça demande plus de temps. Et comme le temps, c'est de l'argent. Merci, Manu, tu me l'as enlevé de la bouche. Ah, voilà. Les grands Tu étais esprits, mon hein. pote. Sébastien Jessu. Yo, salut, soyez bienvenu. De quoi? Jeune homme, 43 ans. Qui c'est qui a 43 ans? Moi, j'ai 43 ans, là. Qui c'est? Bref. Allez. Image suivante, Tom. Ah, alors Ernesto QWERTY qui commente souvent sur la page Facebook du Hangar des guitares. Moi, c'est les deux potards de tonne sur une Stratocaster que je trouve inutile. J'ai modifié le câblage de ma Strat et la plaque avant. Tu peux utiliser ma photo. Cela dit, je trouve normal pour les fans de vintage d'avoir des guitares qui respectent les specs de l'époque. Alors là, je dis que là, c'est plus une histoire de goût personnel ce que tu avances. Pour Oui. moi, je comprends tout à fait que les amateurs de Strat qui sont habitués à jouer avec leur tonalité. Veuille les garder. Au Moi, fond. je trouve personnellement qu'un potard de tonne, ça sert à rien. Alors, deux. Ah mais Comment tu ça? sais, pour ceux qui se la jouent un petit peu country ou tout ça, qui veulent modifier un petit peu la tonalité de leur micro, à l'ancienne, ça je peux Oui, je comprendre. comprends. Autant, tu Oui, vois, bien sûr. même à titre personnel, je comprends mieux ça plutôt que le chevalet de la Telecaster dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais le laiton, ça donne une couleur au son, Manu. Mais je suis d'accord avec ça. Mais la tonalité, ça donne une couleur au son aussi. Oui, bien sûr. Mais ils vont te dire que s'il n'y a pas le cheval en laiton, ça sonne pas pareil. Ah bah Tu sais ce que écoute. j'en pense. Moi, pour moi, c'est j'aime bien aller de l'avant, j'aime bien les nouvelles choses, tout ça. Ah, mais bon, regarde, ça fait des années que je joue avec un Floyd Rose. Quand tu prends une guitare qui n'a pas de Floyd Rose, au niveau du son, ça change énormément de choses. Ah mais complètement. Bah On t'as le bien voit vu, bien. c'est la DK24, quand t'es passé dessus avec le Hartel, t'as Et fait ouais, oh. ça change, ouais. Alors, il faut aimer l'un, il faut aimer l'autre. C'est pas Ouais. évident. Alors moi, ce Voilà. qu'il y a, c'est que lorsque je joue avec une guitare équipée en micro actif, comme par exemple les EMG, la tonalité qui est très progressive, bizarrement sur les gros taux de distorsion qui sont où il y a des petits artefacts aigus sur des multi-effets par exemple ou des plugins, là je trouve que ça se justifie parce que à titre personnel, je baisse à peine la tonalité, donc ça modifie bien sûr la fréquence et là je récupère du son un peu plus équilibré. Ouais, mais sur les EMG, ça fonctionne pas pareil. Hein. Ah non, mais Les c'est baisses de différent. volume et tonas, c'est pas du passif. Hein. Ça fonctionne pas du tout pareil. Hein. Moi, je préfère les tonas EMG que les tonas passifs, quoi. La façon dont ça fonctionne. Mais sinon, bon, j'utilise pas de tonas. Hein. Le gain, 15 sur 10. Puis en avant Guingamp. Hein. Par contre, le volume, oui. Un super volume, ça m'intéresse plus, quoi. Bah moi aussi. Après qu'il soit linéaire ou Ah oui. Comme Pascal Noguès, tu vois, volume à fond et hop, alléluia. Alors moi qui aime bien les effets de violoning avec la guitare, c'est vrai que par contre, moi je suis très adepte de ça. Un bon potard de volume pour faire des bons effets comme ça m'intéresse beaucoup, oui. Manu Paganini. Alors après, c'est vrai que le point de friction des volumes, ça aussi c'est important parce qu'il y a ceux où à peine tu touches, pouf, t'es pratiquement à 10. Et ceux où il y a un petit peu de force, et là du coup c'est pour gérer, chacun C'est mon voit midi à préféré. sa porte. J'aime bien gérer le son comme ça. Moi aussi comme ça, ouais. Ceux qui partent d'un seul coup à être trop de vitesse, moi j'aime pas trop ça, moi.
Ouais, pareil. En fait, ce qui est fou avec la Strat, c'est que le micro aigu, qui est assez imbuvable en son clair, c'est le seul de la guitare qui n'a pas de tone. Oui, tout à fait, David, oui. Moi, c'est vrai que bon, j'arrive pas à jouer avec des strats avec. J'arrive pas à jouer avec un simple en aigu. J'arrive pas du tout, moi. Alors, faut savoir que y a simple et simple. Tu peux avoir des simples en aigu un peu surbobinés, plus focus médium. Et franchement, ça marche pas mal hein, quand même. Mais je sais que, alors en série, je ne sais pas où on peut les trouver, mais je sais que SP Custom et d'autres marques en France, parce que moi j'ai un copain qui a ça sur sa Strat. Hein, et j'étais surpris, ça marche pas mal quand même. Il n'y a plus le côté un peu criard et grelé du micro aigu, tu vois, sale gomme. Alors évidemment, la position avec le centre change avec le central, ça change un petit peu tu vois, au niveau de la couleur sonore, du coup. Mais en revanche, tu as un micro aigu, c'est pas vraiment un P90, tu vois. Mais Non. simple habituel et le P90 pour Ouais, mais moi, qui est deux. tu sens qu'il est légèrement surbobiné, tu le sens dans les Ouais, voilà. fréquences, ouais. Et tu perds le côté aigu. Donc il y a quand même des alternatives en micro simple qui peuvent être intéressantes aussi, quoi. Mais après, d'origine, un micro simple d'origine en aigu, moi, j'aime pas non plus, hein. Ça fait crin-crin et voilà, quoi. Ah, tu m'as envoyé un. D'accord. Avec un câblage de strat fait hier où justement le client ne voulait qu'un tone. Ah, alors attends, on va regarder ça en temps réel alors. David, hop, streaming en direct. Où suis-je? Je suis là. Ah voilà, tiens. Hop. Donc là, voilà ce qu'a fait David hier. Donc c'est un volume, une tonalité, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, c'est Il ça. s'appelle David Hier. Je crois que c'est David Migaud, moi. Mais c'est Migo, oui. Ah, non, parce que tu dis David Hier. Je ne savais pas encore. David hier. Non, c'est rien, je suis fatigué. Non, c'est peut-être moi, mais bon. Allez, et il est plus propre que moi quand il travaille. Hein. Ah là, on voit que c'est bien. Regardez les Ouais, câbles qui passent super bien propre. le Hein, long de voilà. la. Ici, là, C'est bien, des hein. C'est micros. vachement propre. Ça, Hein. c'est très très propre. Voilà, ça, Il je est kiffe, super moi. propre. Hein. Super boulot, ouais, bravo. Ah ouais, moi, j'aime beaucoup ça. Ouais, Bravo, pareil, ouais. David, ouais. Je vais prendre des cours. Neo Geo a fait une vidéo là-dessus. Oui, il parle des tonalités, comme quoi est-ce qu'en fait, il les vire parce que lui, il utilise que le volume. Et c'est vrai que le fait d'enlever la tonalité, ça change le son effectivement au final, même si quand il est ouvert à fond, il y a quelque chose des. Ça fait comme un filtre, effectivement. C'est pour ça que sur les Charbel, ils ont mis des no-load. Ouais, ça c'est bien les tonalités, nos loads, ouais. Oui, David, c'est sûr, c'est ton métier. David nous stipule que c'est son métier, mais il y a des gens qui ne le font pas aussi bien, même si c'est leur métier, quoi. Ah ça oui. On a des gens sérieux à n'empêche dans le coin, heureusement pour nous. Hein. Ouais, ça va, ici, on a des gens sympas hein, avec qui on peut bosser en confiance en terre catalane. C'est Yeah. bien. Donc comme quoi, hein, on n'a pas de thunes, mais on a des bons éléments. Qu'on ne peut pas payer, c'est cool. Ah Parce qu'on n'a pas de thunes. Oh, les pauvrettes. allez, on y va. Alors, Fredo Doffré, payer 3000 boules une guitare et ne pas avoir de mécanique à blocage, par exemple. Alors, là-dessus, je pense qu'il peut avoir un débat. Il peut avoir un débat parce que en traînant sur les forums français ou anglo-saxons, tu as des gens qui arrivent à avoir des très bons résultats de tenue d'accord avec des guitares sans blocage de cordes, avec par exemple un scié auto-lubrifié, avec un bon alignement, d'excellentes mécas, et ils arrivent à avoir des belles tenues d'accord aussi, quoi. Alors je sais pas, ça je pense que tu as étudié en tout cas. Parce que après, ça dépend, on en parlait, Manu, c'est la limite du système. Même sur une sœur avec méca auto-bloquante, c'est pas un feu de rose non plus. Hein. On l'a testé tous les deux, on l'a vu. Hein. Hier, Donc, on y est allé, c'est allègrement, hein. ouais, pour voir les limites du système, moi, ma PRS, tant que j'y vais tranquillement, ça fonctionne bien, hein, ça tient. Hein. Mais dès que j'y vais un peu plus fort, il y a un moment où ça lâche, Oui, là où oui, 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 oui. mon Floyd, il bouge pas. Donc, je sais pas quoi. Je sais Bonne pas. Et je pense nuit, que Nîmes. Merci beaucoup Fredo, d'être revenu. je suis d'accord Désolé, je avec t'ai lui, mais en coupé. même temps. Je suis d'accord avec lui, mais il y a peut-être des alternatives, il y a peut-être d'autres systèmes. Nicolas m'a dit qu'il a des guitares sans méca autobloquant qui tiennent très bien l'accord, même en utilisant le vibrato, quoi. Donc, je sais pas, c'est peut-être du coup par coup, en fait. Ouais.
Mais Donc ça voilà, rassure. c'est vrai qu'il y a là, il y a débat. Après, ça dépend aussi ce que tu fais avec, quoi. Est-ce que Je tu as. pense que si ta guitare, la chevale est fixe, tu as un scié super bien taillé, des mécas de qualité, tu sais bien mettre tes cordes, je pense que tu n'as peut-être pas forcément besoin de méca autobloquante. Maintenant, avec un vibrato flottant, ça se discute tout de suite plus, quoi. Enfin, je sais pas encore. J'ai pas trop d'expérience avec ces guitares. Moi, je suis plutôt Floyd Rose ou ben là, bon, toi, j'ai un chevalet fixe. Bon. Ok, À voir. à étudier. Mais bon, je trouve que la remarque était sympa. Allez, ça c'est bon. Regarde, d'ailleurs, David est intervenu là-dessus, regarde. Ouais, j'ai vu, ouais. Regarde, il marque, il y a un putain de problème que les gens n'ont pas compris. Les mécaniques à blocage ne tiennent pas plus l'accordage. C'est juste une remontée des cordes plus rapidement. Donc, tu vois, ça se discute, tu vois. À réfléchir. Mais bon, c'est vrai que, disons que quand tu payes, si je prends l'exemple qui dit Fredo, là, 3000 euros une guitare, ça se discute, effectivement. Ouais, mais si tu as dessus des chaleurs ou des gâteaux ou Dieu seul sait quoi haut de gamme et que tu montes bien tes cordes, a priori, tu ne devrais pas avoir de problème, quoi. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Si les mécas sont bien montés, si que le scié est de bonne qualité, il est bien taillé, tous ces éléments qui font que la tenue, ton chevalet, ce qu'il est de bonne qualité et que c'est bon, sur une guitare à 3000 euros, on peut espérer que oui. Si l'ensemble est de qualité, a priori, comme le dit David, peut-être que ça ne serait peut-être pas utile de mettre des mécas autobloquantes. Voilà. Après, hein, moi, je suis comme Saint Thomas. À voir. Ce que je sais en tout cas avec certitude, c'est que les guitares mécas autobloquantes ne sont pas la garantie d'un accord qui ne bouge pas, quoi. En tout cas, dans les essais que j'ai faits. Wesh. C'est pour les guitares tech en tournée, quand ils ont 15 pelles à faire, c'est plus rapide. Oui, voilà, tu Ah, c'est m'étonnes. sûr, Ah, c'est voilà, sûr. poum 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 poum, ça y est, c'est fini quoi. Mugarud, tu te calmes, il y a David. Ça chauffe, les gars, ça chauffe. Certains ne sont pas fans des mécaniques à blocage. Oui, bah ça je peux comprendre aussi, bien sûr. Ça c'est. Enfin bref, c'est. Hop! Allez, message suivant. Alors, Chris Covenstone qui réagit beaucoup sur la page Facebook, merci à lui. Alors, plusieurs choses. 1. Pourquoi ne pas installer des strap-locks pour les guitares dont le tarif commence à partir de 500 ou 600 euros? Ça ne serait pas du luxe. Parce Strap-lock que égale sécurité. à chaque fois que tu bouges en concert, ça fait Ou alors, clac-clac, quand il y a du jeu, tu sais, entre les pièces. regarde, 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 hey. Ouais. Attends, je me mets en face, regarde, regarde. Les meilleurs straplocks du monde. Ah oui. Ça coûte que dalle et ça bouge pas. Hein. Toi, Ouais. quand tu bois ta binouze, tu récupères le morceau de caoutchouc. Ouais, mais c'est ça, hein. Et ça bouge pas, hein. J'ai testé, ça bouge pas. C'est mis, ça bouge pas. Non, c'est ton dentier. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Donc voilà, derrière Straplock. 2. Pourquoi le câblage interne d'une guitare n'est toujours pas fait avec des fiches qui s'emboîtent comme sur les EMG par exemple? Pourquoi garder encore ce système de soudure? Bonne question, Alors là, intéressant. j'ai envie de dire, c'est pour faire vivre le petit commerce ou Mais les artisans. il a raison. Il sera intéressant que tous les constructeurs se mettent d'accord Oui. pour simplifier les systèmes parce que les fer à souder, il y en a marre, quoi. Ouais. Bah, disons que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent changer vite de micro et qui sont pas forcément Guitar Tech, c'est vrai que ça leur simplifierait la vie, tu suis un schéma. Et encore, quand je dis ça, je suis inscrit sur plein de forums Facebook de genre entraide, guitariste, bricolage, trucs comme ça. Les mecs, ils achètent des EMG, ils ont le schéma sous les yeux. Ben, même ça, ils disent, oh, ça marche pas, pourtant j'ai bien tout suivi. Ben non, si ça marche pas, c'est qu'il y a un truc que t'as pas suivi, c'est tout. Ouais, forcément. Donc forcément, voilà quoi, c'est. Bon, bref. On n'est pas tous égaux, Manu, on n'est pas tous égaux. Ah, sans comment... Je ne dirai Regarde, rien. regarde, regarde. Hey, reste comme tu es au top, Manu. Voilà. C'est royal. Tiens, t'en veux? Merci. Alors, pourquoi garder des plaques de protection arrière en plastique sur des guitares à plus de 1000 euros? Parce que ça coûte pas cher.
Voilà. Fut une époque, les Prestige Ibanez avaient des plaques métal. Ah, ça, j'ai pas connu. Moi, j'ai connu. Plaque métal, la vache. Ah ouais, plaque métal. Pas black metal, hein, plaque. Ouais, black metal. Non, plaque métal, ouais. Je me demande si ma 1527 n'a pas une plaque métal, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Des clips pour des fils, c'est amateur, soudé, c'est pro. Bah non. Ouais. OMG, ça marche très bien avec les fiches. Donc voilà, c'est. Bon. David, tu nous diras ce que t'en penses. Hein. En tout cas, moi je trouve qu'en tout cas que c'était des questions très pertinentes. Merci beaucoup, Chris. Sur l'histoire des fiches, moi c'est ça qui m'a le plus percuté. Mais c'est vrai qu'on en parle souvent avec toi, Jean-Philippe. On dit qu'il pourrait simplifier et standardiser le truc, quoi. Quand même, ça c'est. Bon, bref. Deux petites secondes. Et Mathieu, il faut qu'il se calme. Hein. Suis pas si vieux que ça, quoi. Ça c'est bon, rien à planter, non, c'est bon. Allez, c'est bon. Et Manu dit quelque chose. Mathieu dit que j'ai connu les des pelles alimentées au charbon. Défends-moi, quoi. Au charbon, elles sont biodégradables. Non, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de courant quand j'étais jeune. Mais tu sais, j'en ai un qui disait, tu sais, à l'époque de Jean-Philippe, là, à l'époque des dinosaures et tout ça, je l'ai calmé vite fait. Jouer sur des luttes avec des boyaux d'êtres humains que j'ai tués moi-même. D'être humain ou... Oui, parce que les pauvres chats, ils avaient rien demandé. Non, non, je préfère les chats. Guy et Jean-Jacques, j'ai testé l'EMG avec la plaque SL20, j'ai pas accroché et j'ai plus de parasites qu'avec les micros d'origine de ma Strat qui sont pas noiseless. Ah, ça, c'est que là, il y a un problème quelque part. Là, il y a un très gros souci parce que c'est pas normal qu'il y ait des parasites avec des EMG. Parce que moi, mes EMG ont moins de font beaucoup moins de bruit que mes micros passifs. Ouais, là, il y a un sous-saillot, effectivement. Allez, image suivante. Ah, regardez comme c'est beau, ça. Alors, Chicken Norris. Chicken Norris, j'adore. Ah ouais, chicken nourrice. L'accès du truss au talon sur les Fender, par exemple. Alors ça, ouais. Là, je vous ai mis l'image ici. Alors, comme vous pouvez voir, franchement, moi, ça, c'est un truc qui me fait dégoupiller. Devoir démonter le talon pour avoir accès au truss rod. Mais ça, c'est un truc, mais quel est l'imbécile qui a inventé ça, franchement? Franchement. Fender? Qui chez Fender? Qu'on le pende. Parce que franchement, est-ce que ça se fait ça? Il est peut-être déjà mort, hein, je crois. Non, mais ça, c'est. Quand tu vois que alors, la Charvel de Neo Geo Fanatic, par exemple, la Red Alert, elle a encore ce système. Tu te rends compte? Non, mais ça va pas, non? La Charvel bleue que j'avais, c'est encore système. Hein. Oui, La bah. Sandmass bleue, c'était système. Hein. Bah non, bah Le non, Patrick moi. Leparalki, il m'a vu arriver, il m'a dit, oh non, je fais si, si. Il me dit, faut que je démonte tout. Je fais, bah oui, je sais. C'est pour ça que je te l'emmène. Ça, c'est fou. Hein. Tu dois démonter le manche, tu dois régler. Après, tu dois remonter le manche, remettre les cordes, réaccorder, attendre quelques jours. Tu regardes. Ah, bah non, ça a bougé. C'est pas bon. Allez, t'es reparti pour un tour. Non, non, ça, pour moi. Et alors, pour peu que t'aies un Floyd, mais alors là, c'est la fête du slip, là. C'est pour ça que maintenant, ils ont changé. Ils ont compris. Oui, bah, j'espère qu'ils ont compris parce que franchement. Ouais, je vous Voilà, montre. ça oui. Voilà, c'est ici. Attends, je le mets en plus grand. Vas-y, remontre. Ici. Voilà, le truss rod. Alors ça fait partie des trucs aussi que je parlerai après, c'est le réglage de truss rod à la Music Man. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas standardisé ça? Moi, je comprends pas. Voilà. Mais bon, bref. Ah ouais, avec la roue. Ouais. Ça y est, c'est fait. Et là, franchement. Franchement, hein. Après, les scies aux gorges trop profondes qui pincent la corde de trop. Oui, bah ça, les scies très mal faites, il y en a plus que ce qu'on croit. Hein. Mais bon, on peut en parler encore. Là, par exemple, vous voyez, c'est une copie, très mauvaise copie d'une Taylor qui est de chez AliExpress.
On dirait pas comme ça, mais quand on voit les autres photos, on se dit, oula, il y a un très gros souci là. Il y a un très 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 gros souci. Donc voilà. Ensuite, les sillets en plastique. Aujourd'hui, un bon sillet, ça devrait être de base sur toutes les grattes. Ah ben ça, un bon sillet, oui. Après, en plastique, bon ben, la loi, l'offre de la loi, il la demande, le prix de revient. Quand tu peux, tu te fais installer un sillet en os, en laiton. T'as moyen d'avoir des bons trucs, quoi. Donc ça, c'est bon. Je crois d'ailleurs, toi, David, aussi, que tu les tailles, les sillets, hein? Il me semble, David Migaud. Je crois que tu continues à les retailler toi-même. Ah, voilà. Ensuite, et les vernis plus fins seraient top. Voir les pores du bois sur le relief du vernis, c'est d'une, plus joli, et de deux, je pense que ça ouvre un peu plus la résonance des bois. Forcément, oui. Bah forcément, tu as moins de peinture, tu n'as pas d'après, donc forcément, les bois ils respirent plus. Donc là, par exemple, je vous ai montré une Fender Telecaster finition sandblasted. C'est-à-dire en fait que c'est une guitare qui est faite avec du frêne, celle-ci. Donc pour tous ceux qui ne savent pas, amis luthiers ou autres, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. C'est en fait, il faut des bois avec des. On peut voir ici, toutes les stries là, ben, en fait, ce sont les stries du bois. En fait, sandblasted, ça s'appelle, ça veut dire projeté au sable. Pourquoi? Parce que là, pour ce genre de guitare-là, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des projections de sable à très haute pression et ça fait ressortir le veinage du bois. Et après, ils poncent et ça fait cet effet-là. Et après, ils mettent deux couleurs. Là, par exemple, du bleu et du noir. Et ça a donné ça. Alors, c'est possible de l'obtenir aussi en prenant une brosse métallique et en frottant le bois dans le sens je sais plus comment ça s'appelle, des spires. Donc là, du coup, c'est tout à fait possible de le faire. C'est juste que c'est un peu plus long. Mais j'avoue que cet effet-là, il est très joli. Par contre, bien sûr, comme je disais, il faut un bois qui permette d'avoir ce genre de port ici dans le bois, parce que sinon c'est pas possible de le faire. Voilà. Ensuite, pour finir, les pontés vintage sur télé, pour moi, c'est ce qui donne le caractère du twang avec le laiton et surtout le fait de ne pas sonner super juste. On aime T'as la vu ce que je t'ai Telecaster dit? pour. Comment? T'as vu ce que je t'ai dit avec le laiton? Mais tu crois que je connaissais pas les questions à l'avance, moi? Non. Eh Je suis naïf encore. ben... ah, c'est bien, tu es jeune. La naïveté, c'est bien. Oui. T'as vu? Eh, je te soigne ce soir. Ah ouais, je vois ça. Mais je sais où t'habites, hein, t'inquiète. Moi aussi, je sais où t'habites. Je t'ai déménagé. Ouais, bon, allez, vas-y, continue, tu m'énerves. Et surtout le fait de ne pas sonner super juste. On aime la Telecaster pour son caractère. Bon, ça, je suis d'accord. Tout comme les Les Paul et les autres, faut les garder dans leur jus. Voilà. Alors, par contre, la Alors, phrase. Il y a le petit bout de phrase là qui me titille moi. pas super juste, je peux pas. Voilà. Et merci. Merci. Hein. Moi, perso, alors il y en a qui ça passe, pas super juste, d'autant plus que je partage la musique avec des claviers. Alors, si en plus j'ai quelques hertz de plus et de moins en même temps que Dom quand il joue, ça me fait hurler. Donc je peux pas, quoi. Moi, la guitare, si elle est fausse, si je fais un accord à 4 sons et puis je suis à la rue sur 3 sons, sur 4, Bah ouais, je non, peux. là. Non, non. Bon, je vais pas te dire qu'on en revient à l'histoire de la justesse. Je te taquine, t'inquiète pas. Donc voilà, donc je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Voilà, pour le fait que le laiton change le son est d'accord. Par contre, voilà, le truc de la justesse, non, moi ça me pique de lire ça, je suis désolé. Ah, moi aussi, ouais. Je peux pas, non. Désolé, mais bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé, Chicken Norris, c'était sympa. Ah! Floyd Cantoni, qui me suit depuis pas longtemps et qui est très actif aussi sur Facebook. Les trappes de piles 9 volts avec des vis. Ah ben là, on en revient avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à force de visser et dévisser dans le bois, ben, au bout d'un moment, tu as les vis qui font travailler, ça agrandit le trou et puis résultat des courses, Mais boum. Manu, il faut être con pour foutre des vis sur une trappe pour une pile. Ah ben alors, avant, il faisait ça, hein, tu sais. Enfin, c'est naze, quoi. Ben oui, c'est mauvais. Bien sûr que c'est mauvais. Donc c'est Et pour ça qu'à encore une. côté, je vous ai mis cette image-là. Au moins les trappes à piles. Bon là, c'est fait pour une guitare acoustique. Mais vous avez des trappes comme chez qui se mettent partout pour les électroniques actives, que ce soit des basses ou des guitares. Tu mets la pile, tu fermes, ça y est, basta, terminé, tu fais plus. Tu vas pas t'amuser à tout défoncer à chaque fois, de défoncer le bois avec les vis, quoi. Franchement, ça me gonfle, quoi. Tiens, voilà, il le dit aussi. Ça me les brise menu, ces trappes.
Ah, je te jure. Tiens, Black Winter, à propos du déménagement, l'essieu du camion a supporté la conduite championnat d'Europe poids lourd de Jean-Philippe et ses 44 tonnes de matériel musical. Oui, ça va. Ça a tenu. Ça a tenu. David, j'ai déjà vu un groupe amateur au Croque-Mort à l'époque. Ah, oh, purée, à l'époque c'était encore ouvert. Arrêter de jouer car il ne pouvait pas changer la pile car il fallait le tournevis. Oh, punaise, oh la loose. Tu joues, t'as plus de jus, bah, ah, oh, on n'a pas de tournevis, on peut plus jouer. Hey, remarque, c'est pas mal si t'as pas de pile non plus. C'est Comment ça, il faut une pile dans ma guitare? C'est quoi vrai. ces conneries? Bah oui, c'est une guitare électrique, ça marche avec des piles. Ouais. La solution pour les trous élargis, il faut mettre un bout de bois d'allumette dans le trou et ça refonctionne. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est une solution qui est à long terme, moi, qui me plaît pas. Puis tu prends vaut mieux prendre un truc en plastique ou en métal, mais c'est encore mieux, dans lequel tu fous ta pile, tu fermes la trappe et ça y est, c'est terminé, t'en parles plus, quoi. C'est bon, quoi. La Das Guitars, la pile dans la cavité électronique avec plaque aimantée. Ouais, par exemple, c'est excellent ça. Bien sûr. C'est le top. Voilà. Plus un pour pas de pile. Ah bah oui, tu m'étonnes. Le boîtier a lâché avant que les piles soient foires. Et bah tu m'étonnes. Donc voilà, effectivement, ça c'est un truc que je comprends pas. David Xman, hein, mon copain avec qui j'ai fait le morceau de musique qui est visible sur ma chaîne YouTube. Très très bon, ingé son d'ailleurs pour faire l'enregistrement. Il est vraiment au top. Donc coucou de mon copain David si tu me vois. Alors, l'absence de volutes sur les têtes type Gibson, incompréhensible. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la volute, c'est cette pièce-là qui est derrière la tête. C'est ce petit ce renflement de bois, pardon. Et en fait, pourquoi? Ben, tout simplement parce que si jamais votre guitare ou votre basse, elle tombe, et qu'il n'y a pas ce type de petit renflement de bois ici, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme chez les Gibson, eh ben, paf! Ça casse. Ça casse à ce niveau-là. Donc les luthiers, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils laissent du bois volontairement à cet endroit-là. Et du coup, quand la guitare tombe, les vibrations ne remontent pas jusqu'à la tête et ne la font pas péter comme ça d'un coup. Ne me dites pas que ça n'est pas possible de le faire, ça c'est clair. Hein. Les luthiers, si vous êtes là, hein, Das Guitar, n'hésite pas à me dire d'ailleurs ce que tu en penses. Hein. C'est vrai que là, les volutes, ça c'est vrai qu'on peut les faire, quoi. Il y a moyen de les mettre partout quand tu les fabriques. Hein. Gibson, what else? Mais ça me donne du taf. Oui, ça c'est pas faux. Ça te donne du taf. Surtout Gibson, hein, franchement, voilà. Et sinon, il parlait de David donc aussi l'étalon carré à la Strat. Donc là, c'est pour ça. Là, bon, là, c'est pas une Fender, mais c'est une autre. Tu parles du talon qui se plante ici quand tu es dans le Voilà, cordon, qui fait quand bien tu es dans mal le et cordon. que tu fais aïe comme ça. Ah bah ouais, écoute. Donc voilà, effectivement, bon, ça n'a jamais empêché les mecs d'Iron Maiden ou d'autres de jouer là-dessus, on est d'accord. Mais je pense qu'au bout d'un moment, voilà quoi. On est d'accord, ou je pense qu'il y a mieux de faire. Et encore là, celle-là, elle n'est pas trop vilaine parce que tu as vu, ils ont enfoncé la plaque dans le bois ici. Ouais. Donc ça va. Gibson Ouais. faisait des volutes en 70 et ils ont arrêté, ça plaisait pas. Bah oui, bah voilà. Moi, je pense qu'il faut les laisser ces volutes et qu'on en parle plus. Je veux dire, quand tu joues, ça te gêne pas. Ne dis pas ouais, non. Bah tu laisses, ça fait un petit bout de bois, pas méchant. Et puis voilà, on n'en parle plus. Bref, en tout cas, merci beaucoup, David. Alors là, on va passer non plus sur les remarques que vous nous avez envoyées, mais sur quelque chose dont on a parlé auparavant, n'est-ce pas, David? Les codes couleurs des micros différents selon les constructeurs. Ah, oh. Oh, quel bonheur devoir toujours chercher. Ou alors ceux qui perdent le papier qu'il y a dans la boîte du micro pour chercher c'est quoi le code couleur, pour essayer de savoir où sont les polarités, où est le nord, où est le sud de chaque bobine. C'est bon ça, hein? On a connu ça, hein, Jean-Philippe. Ouais, c'est clair que ils sont casse-burnettes avec ça. Hein. Franchement, non, ça c'est... Voilà, je vous ai marqué quelques exemples de codes couleurs chez Simon Duncan, ni Marzio. Ça, vous pouvez le trouver facilement sur Internet, hein, ça aide beaucoup. Bah, chez les fabricants. Voilà, du fabricant, on est bien d'accord, Ah hein. ouais. Après, il y a des sites aussi qui regroupent les pense-bêtes pour avoir sur une seule feuille les codes couleurs.
C'est vrai que ça aide beaucoup pour savoir où est le nord et où est le sud de chaque bobine. Donc, pour savoir donc où est le point chaud, la masse, ce qu'on doit lier ensemble pour avoir la série, les splits, etc. Donc, c'est vrai que ça aide. Mais c'est vrai que franchement, les constructeurs, s'ils pouvaient au moins faire quelque chose pour tout recentraliser, j'ai vu tout à l'heure que tu en avais parlé, David. Mais putain, mais allez-y, quoi. Ne vous retenez pas. Parce que moi, franchement, ça, c'est. Moi, ça me rend ouf au bout d'un moment, quoi. Ouais. Bon, bref. C'était. Bah, je pense qu'on pourrait standardiser, comme on disait tout à l'heure, des trucs. Pour moi, c'est ça me. En même temps, sur la photo, franchement, je ne me vois pas acheter un micro de Jackson, Gibson ou PV, quoi. Non, mais, non, non, mais si tu sais que ça vient de là et que c'est là-dedans. Et que tu as envie de l'utiliser pour une raison ou pour une autre, Ouais, c'est voilà. la zone quand même, hein. C'est la zone, hein. David, le plus chouette, c'est quand tu as un micro coréen milieu 80 sans information, que tu dois repérer les bobines, les aimants nord-sud, c'est commando. Ah oh, putain, ouais. Oh. Das guitare, multimètre obligatoire, mais carrément, oui. Ouais. Voilà, si tu veux savoir où tu vas, t'es obligé, quoi. Bonjour, j'ai fait option déminage micro. Donc voilà, ça c'était une petite remarque parmi tant d'autres. Bon, mais ça encore, c'est une gentille, on va dire. Ouais, c'est naze ça. Alors ça c'est un truc qui me rend ouf. Non, Manu, reste calme. Non, 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 mais genre, je vais le dire là. Reste calme. Les pattes de fixation des micros. Quelle merde. On est d'accord. Mais oui, parce que quand tu as du Bondi Mardio avec la cavité qui est bien en triangle, et ben tu veux Voilà. mettre un Duncan, et ben tu l'as dans le as. Voilà. Alors là, il y a deux choses que je vous montre dans cette image-là. Et avec des pattes de 15 km. Voilà, exactement. Alors là, ce que vous Légèrement. voyez, c'est donc des. Là, il y a un Gibson, là, il y a un vieux Seymour Duncan, etc. Et comme vous pouvez le voir, il y a la patte de fixation qui est bien haute. Ce qui veut dire que moi, la première fois que j'ai eu une Ibanez RG dans ma vie et que j'avais un micro Gibson qui traînait, je me suis dit, oh, bah, c'est bon, je vais le monter. Hein. Bah, tu parles, à peine j'ai posé le micro, il a fait pouf! Il est monté 3 km dans les cordes. Eh ouais. Alors que, regardez la première image en haut, là, c'est un micro 7 cordes de chez Dimarzio. Et on peut voir que la plaque en dessous, eh ben, elle est au même niveau que les pattes de fixation. Enfin, les pattes de fixation sont au même niveau que la plaque plutôt. Du coup, tout est de niveau, bah, t'es pas embêté. Là, c'est vraiment tout plat. T'as pas la patte ici qui fait 50 km. Donc ça, c'est vraiment chiant. Voilà. Après, pareil, là, les pattes, comme ça, c'est ce qu'on appelle donc alors, je sais plus le nom en anglais. Mais à la base, Non, mais c'était fait aussi pour les guitares, pour faire par ce qu'on plaque. appelle en anglais du direct mount. Comment tu dis? Non, mais après pour les plaques, il faut quand même que tu aies un petit peu de marge entre le micro et la visserie du micro. Si tu as une plaque pour que tu puisses faire monter, descendre le ressort, il faut que tu aies un petit espace quand même suffisant pour que le ressort il se compresse, il se décompresse. Si t'as Oui. pas, si la plaque elle est à la hauteur du micro, t'es chocolat, quoi. Alors oui, mais si tu mets des ressorts un petit comme ceux qui sont livrés avec les micros simples au bobinage qui sont beaucoup moins hauts, du coup, t'as Oui, pas mais ce même problème. si. Enfin, il faut, moi, à mon sens, il faut une petite marge. Alors là, c'est vrai que sur les micros de gauche, elle est énorme, la patte. Mais sur, par exemple, les Dimardio, je trouve que c'est plus équilibré, tu vois. C'est Bah. vrai que le micro du milieu à gauche, la patte, elle fait 10 km, quoi. C'est Ah non, infernal. mais là, c'est abominable, quoi. Là, c'est abominable. Ouais. Ici, je finis par connaître ce qui risque d'arriver avec le matos instructif. Ah bah, je vois. Après, Manu, il faut voir un truc aussi. C'est peut-être, je suis en train de penser, tu sais que avant les guitares à Floyd, les anciennes guitares à Floyd, les Floyd, ils n'étaient pas encastrés dans le corps. Exact, ils étaient Les posés sur la Floyd table. étaient. Hein, les Floyd étaient. Non, mais même moi, Malag, le Floyd, il est au-dessus de la guitare, tu vois. Ouais, il y a un petit écart Les en hauteur, guitares. c'est vrai, sur la Alors talac, que ouais. si je prends mes guitares actuelles avec Floyd, les Floyd, ils sont sur la table, à peine au-dessus, tu vois. Alors que. La hammer que j'avais, des trucs comme ça, le vibrato, il est réellement au-dessus du corps. Tu vois, la construction, elle n'est pas la même. Et du coup, ton micro, quand il est sur le corps, s'il n'a pas des pattes pour remonter assez haut sous les cordes, ben t'es chocolat aussi, quoi. Peut-être un truc comme ça, je ne sais pas, je dis ça, je lance ça un petit peu comme ça, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, puisque tous les Floyd, ils sont encastrés maintenant. Donc, on n'a plus besoin d'avoir des pattes comme ça, peut-être. Alors, il y a ça, il y a aussi le fait que ben, pour tous ceux qui ont suivi, attendez, je vais vous montrer. Hop. Alors, je vais mettre un plus grand. Pour comprendre. Voilà, mon Ibanez RGA.
Bon, pour tous ceux qui ont suivi le sketch, ils savent que les micros que j'ai installés là, les CMO d'un can, hein, tu t'en rappelles, JP? Ah ouais, je me souviens. Comment j'ai galéré comme un gros connard? Ah ouais. Alors, je vous explique ça, c'est des CMO d'un can direct mount. Donc, en anglais, ça veut dire montage direct. Ça veut dire qu'en fait, il y a des vis que vous mettez, ça se visse directement dans le bois et ça fixe le micro. Jusque-là, tout va bien. Sauf que beaucoup de constructeurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est que derrière le micro, vous avez les vis. En forme de vis, justement, celles qui peuvent être vissées avec un tournevis, elles dépassent largement en dessous du micro. C'est-à-dire qu'en fait, là, ici, là, dans des trous comme ça, vous avez au moins, allez, facilement 2 cm de vis qui dépassent en trop. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, ça dépasse autant. Bon. Résultat des courses, quand j'ai voulu monter les micros sur cette guitare, ben, je ne pouvais pas. C'était pas possible. Donc j'étais emmerdé. Alors. Bah tiens, d'ailleurs, c'est toi, David, qui me l'a appris. Chez Parker, les guitares Parker, il n'y a pas de patte de fixation. Ni courte, comme ça, ni avec des longues pattes. C'est en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils se servent des vis qui sortent en dessous du micro. Et en fait, dans le bois de la guitare, tu as des petits endroits dans lesquels tu visses ces fameuses vis. Et le micro, tu peux le monter comme ça, en hauteur ou pas. Donc ça, je trouve que c'est très bien pensé. Ma webcam elle merde, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est un truc qui me fait dégoupiller. Hop. Et du coup, si jamais tu as une guitare, mais avec que t'as pas beaucoup d'espace de bois, mais que tu as des micros avec des pattes comme ça, ben t'es emmerdé, t'es chocolat. Voilà. C'est Donc, emmerdant. deuxième truc où t'es emmerdant, où c'est qui est emmerdant. Alors regardez, comme on l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, là en bas, si ce que vous avez, c'est une patte de fixation d'un micro d'Imarzio qui est en forme de triangle. Là en haut, c'est un Seymour Duncan en forme de rectangle. Là, nous avons l'exemple d'une Ibanez RG avec des micros dits Marzio Custom, je ne sais plus c'est lesquels, qui sont montés d'origine dessus, avec ici le trou en forme de triangle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais ton micro il est en forme de rectangle comme chez Seymour Duncan, tu ne peux pas monter. Et t'es emmerdé. Alors tu fais Tu sais quoi? ce que j'ai fait une fois, Manu, hein? Allez, vas-y, moment du rêve. Bah, une lime. Ah bah oui. J'ai limé en triangle la tête d'un T'as limé ces Seymour. deux parties là, toi. Oh ouais. J'ai fait le Seymour, je l'ai transformé comme ça, quoi. Ouais. J'ai fait. Voilà, hein. Je n'avais pas le choix. Hein. C'était ça ou soit ça passait pas, et ben, au grand mot, les grands remèdes, hein, Ah des bah fois. moi je préfère tailler dans la patte du micro que dans le bois de la guitare, ça c'est clair, hein. Non, mais moi j'ai taillé la patte du micro, puis alors j'ai mis le temps que j'ai mis, mais c'est passé, quoi. Ouais. Donc tout ça pour dire que là pareil. Pourrait standardiser le truc quand même, les mecs, fabricants de micros. C'est clair. Manu, c'est pour ça qu'Ibanez, par exemple, met une mousse sous ses micros Direct Mount. Alors, la plupart des micros Direct Mount ont une mousse en dessous, effectivement, pour faire remonter ça. Oui, tout à fait. Effectivement. Manu MP. Ah, alors, on va voir. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Merci. Merci, merci. Donc, il y a David qui vient de Hey, m'envoyer cette vidéo. How to remove pickup from Parker Fly Guitar. Donc pour tous ceux qui ont une Parker, ben en fait ça explique la vidéo comment faire pour monter et démonter un micro directement dans le bois de la guitare. Bon après c'est une merde à faire, hein. Si vous n'êtes pas habitué, ne le faites pas parce que c'est vraiment un casse-boule à faire. Mais c'est vrai que moi jusqu'à présent je ne connaissais pas ce système. C'est David qui me l'a appris récemment là. Et depuis que j'ai découvert ça, j'ai dit. Ah, bah putain, la prochaine fois je saurai, je galérerai moins comme un idiot, quoi. Franchement, voilà quoi. Pardon. Donc, voilà l'histoire des micros. On pourrait en parler longtemps, un JP. ouais, non, mais je me marre avec X et Twills. J'ai pas vu, rien voir. Les cordes et les micros s'enfilent et maintenant tu limes, c'est le pompon. Ah, bah écoute, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, comme disait Clint Eastwood, il faut ce qu'il faut, hein. Ouais, je te jure, mais on est pas rendu là. Non. Allez, image suivante. Ah, alors ça. Alors ça, les gars. Ça, c'est fantastique. Les outils spécifiques des constructeurs. Ça. Là, j'entends un Euh, tir mouvement. je pense que David, tu as déjà eu ce cas-là aussi. On t'amène une belle strat récente et tu te rends compte que les clés Allen ne passent pas.
Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es obligé, pour régler le Truss Road par exemple, d'avoir cet outil-là qui est livré avec la guitare et il n'y a que celle-là qui passe. N'y a rien d'autre qui passe. Aucune clé Allen. Et si tu le perds ou que tu le casses, tu fais comment? Bah, t'es emmerdé. Bah, t'es obligé d'envoyer ta guitare à Fender machin pour qu'il te la règle. La putain de clé Allen femelle de Gibson. Hey, c'est pas pour faire un test PCR, ça plutôt? J'allais dire un truc un peu plus graveleux, mais bon. Oui. Écartez les jambes, on va vous faire un petit frottis. C'est dégueulasse. Alors David, oui, la Strat US, elle casse souvent les couilles, mais le pire, c'est la Martin, les Martin US. Le Truss Road est putain de loin dans le talon et il faut une clé genre 15 cm en angle. Ah oh, oh non mais ça c'est... Oh, là, 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 là. Laisse tomber, laisse tomber. Non, non. Bref, ça aussi, Moi. mais... Si tu standardises pas, tu t'en sors plus quoi au bout d'un moment. Ouais, c'est clair. Hein. Pascal, Ibanez m'a fourni une multitool avec mon RG. Oui, il y a des RG qui sont vendus avec des multitools, effectivement. C'est vrai. Regardez, hop, 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 hop. Ah, vas-y, m'attends, je lui mets un grand. Ouais. Et le mien, il en met tout, là. Ça, il est en métal. Ouais. C'est du vrai. Mais celui-là, je l'ai acheté. Hein. Il n'est pas fourni. Celui qui est fourni, il est en plastique, le contour. Ça, le contour rouge en métal, en fait. Mais Ouais, c'est ouais. fourni, ouais. C'est très pratique, quoi. Alors, qui c'est qui m'écrit? Est-ce que c'est encore David? Oui! Oh! Ben voilà! C'est ton atelier, David? T'en veux de la clé Allen? Il y a de la clapip aussi quand même. Hein. Das Guitar. Ah, c'est vraiment des enculés. Parce que Das Guitar, il dit Fender France m'a envoyé un mail avec les tarifs pro pour les clés Truss Road. 129 euros les 5 clés, mais attention, estampillé Fender. Comment te dire que là, on est largement dans du scandale inavouable, quoi. Ouais, c'est clair, c'est une arnaque. Ouais. Là, donc Fender France, si vous suivez cette émission, on sait jamais. Sachez que nous, ça passe pas vraiment, quoi. Donc soyez gentils avec les clients. Hein, ne faites pas. Mais ils sont pas gentils, ils s'en branlent, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. C'est pas Et les faux. magasins, ils s'en branlent, et les clients, ils s'en branlent. Non, mais attends. Je suis désolé, j'assume. Ils sont pas contents, ils savent, tu sais, tu leur diras où j'habite. Non, mais de toute façon, ou alors on arrête d'acheter leurs produits, puis voilà, hein, c'est tout. Qu'ils aillent se faire Bah téter un voilà. œil. Hein. T'as vu, je suis poli. Hein. Allez vous faire téter un œil. Ouais, non, mais faut acheter autre chose, et puis voilà, quoi. Là, c'est. Donc voilà, les outils Acheter des spécifiques. charnels Fender à la place. Voilà, c'est ça. Ça finit tout chez Fender Musical Company. Donc voilà, les outils spécifiques du constructeur, moi ça me fout en l'air, ça me gonfle. Voilà, vraiment ça me gonfle. Après, alors là, c'est pas dans le domaine de la guitare électrique, mais c'est un truc qui m'énerve. Les cordes nylon montées à l'ancienne. Alors, comment te dire? Moi, j'ai jamais su monter ça, j'avoue. Bon, C'est peut-être pour ça que t'es pas content. je l'ai fait que deux fois. Mais à chaque fois, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est casse-couille, quoi. Alors que franchement, s'ils avaient des systèmes différents, je sais qu'il y a des constructeurs qui les font, qui permettent, comme on peut voir sur l'image ici, là, d'avoir un système où juste tu enfiles la corde comme si c'était une guitare au type Strat, et puis ça y est, t'en parles plus. Pourquoi? Parce que tu as des systèmes de rétention à l'arrière ou de boule. Alors je sais qu'il y a aussi certains qui bricolent leur propre système, ça va beaucoup plus vite. Et ça, c'est cool. Franchement, ça aide beaucoup. Mais. Pareil, pourquoi est-ce que tu restes avec un système à l'ancienne où tu fais ça, des nœuds? Moi, je pense que c'est pas justifié en 2020. Voilà. Ça c'est que mon opinion, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en pense à rien, je joue pas là-dessus, je m'en Oh, faut dire, hein, quand même tout de suite, Alors, là. je pense que c'est j'ai mon électro-acoustique corde nylon, je change jamais les cordes parce que rien de les changer, ça me saoule, quoi. Bah voilà. Voilà. Ça, parce que les nœuds, les machins, les bidules, j'ai l'impression de vivre une époque largement dépassée. Et ils devraient faire des systèmes. Comme il y a à gauche quand même, et puis qu'ils arrêtent avec leur corde nylon, là, faire des nœuds, des machins.
Ah, ou Bon, allez. après un gratteux classique, il va te dire, ouais, mais moi, le nœud, je mets une demi-seconde pour le faire, c'est une histoire d'habitude, et patati patata. De la même manière, les mecs qui flippent quand ils ont un feuille rose, quoi. Je pense qu'il y a une histoire d'habitude aussi, quoi. Oui, Mais oui. je trouve que les cordes nylon, en plus, il faut vraiment un vrai savoir-faire pour les monter, parce que ça glisse tout le temps, quoi. C'est tout le temps en Même à train de la bouger. tête. Tu pinces la corde, t'entends cric dans le ponté. Ouais, sur les gères à la tête et compagnie. Moi, mes collègues en guitare classique, ils me disent vraiment que ils ont des techniques, développer des techniques pour bien les attacher, etc. Parce que c'est compliqué, sinon ils sont obligés de se raccorder tous les X minutes, quoi. Tout à fait. Alors moi j'ai Moi, je acheté sais. un jeu de cordes parce que j'ai une Harley Benton à cordes nylon à la maison. Tu sais, celle que j'ai électro-acoustique là. Et franchement je cherchais. Alors je suis tombé sur un jeu de cordes. Je vais voir si je l'ai. Alors pour vous dire, j'ai jamais osé l'ouvrir pour l'instant parce que faut que je change les cordes là, mais je me mette. Je vous montre. Alors attends, je vais mettre en plus grand parce que sinon on voit que dalle. Ça, c'est pas très pratique ça. Voilà, regardez ce que j'ai. Ça, ce sont des Martines. Et de mémoire, il y a marqué ici un petit truc, il y a marqué Ball End. Si j'ai bien compris, je dis bien si, parce que j'ai jamais ouvert la boîte encore. Mais tiens, je vais le faire devant vous. Non, mais c'est pas des classiques, ça. Il semblerait qu'au bout de la corde, il y a un petit truc, mais j'en suis pas sûr. Alors attends, je vais Non, mais l'ouvrir. t'es sûr que c'est des cordes classiques? C'est pas Classique. électroacoustique? Non, non, il y a marqué classique guitare. Ah, oh, c'est strange, comme irait le docteur. Alors, attention. Ouais, regardez. Ouais, mais c'est pas des cordes de guitare classique, ça. C'est des cordes de bronze, c'est normal. Il y a marqué classique, mais en fait c'est classique comme les frites, les McCain classiques, quoi. Ah, classique, ouais. Bronze, oui, j'avais pas vu, mon petit. Ah bah écoute, ça ira sur ma Taylor alors. Pas grave. Bon ben, faux espoir. Vous voyez comme ça, hein. J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. Ah, vous voyez, hein, quand on est newbie dans la matière, ben, on apprend. Hein. Tant pis pour moi. Ouais, ça vous dit aussi combien de fois je joue de la guitare acoustique ou classique. Hein. Bon, c'est pas grave. Hop, Non. t'es pas perdu, de toute façon. Bon, bref, tout ça pour dire que les guitares comme ça, ben, s'ils pouvaient changer, voilà quoi. Oui, Manu, il y a une boule en plastique. D'accord. J'avais pas vu Daz, merci. Après, ah, est-ce que vous voulez qu'on en parle de ça? Oui, on veut, ouais. On en a déjà parlé lors de nos lives. On en a déjà parlé lors des tests de guitare qui commençaient à coûter bonbon. Les malfaçons d'usine sur les guitares onéreuses. Ouais. Bon. Autant là, j'ai mis une image juste pour illustrer, même si c'est un petit peu faux. Là, ce que vous voyez, c'est la guitare que Gibson a réalisée pour faire la copie de la fameuse Les Paul que Joe Perry avait donnée à Slash et que Slash l'a redonnée plusieurs années plus tard après qu'elle était bien mascagnée. C'est une Ils font les mêmes réplique. chiquilles là. C'est une réplique à je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars de mémoire. Donc voilà quoi. Mais c'est pour dire que quand tu as des problèmes de finition, notamment chez Gibson, avec les vernis qui foutent le camp, avec pardon, des problèmes de casse de manche parce que c'est pas très bien fait, bon ben voilà, je pense que là. Hein. Bon, je pense qu'il y en a deux ou trois qui sont tombés dans les pommes là, les amateurs de luthier et de lutherie. Bon, c'est méchant, mais en même temps, bon ben, pendant des années, Gibson, ils ont déconné là-dessus. Donc, quand tu payes un instrument bonbon, t'as un droit d'attendre de la super bonne qualité, faut pas déconner non plus, quoi. Hein. La Sœur Modern Plus qu'on a testée récemment, je suis désolé, mais elle était vraiment bien finie. Elle est bien la strat, hein. La Strat, bon ben. Ben, c'est pour mettre les médiators en fait. Voilà, là, c'est le problème que ici, que vous pouvez voir, on peut glisser un médiator entre le manche et le neck pocket, le talon. Donc, ça, ce que vous pouvez voir, c'est un modèle qui a connu beaucoup de problèmes. C'est les signatures Yngwie Malmsteen. On peut le reconnaître d'ailleurs ici, et c'est scalopé, la touche. C'est pour laisser le manche vibrer, je pense. Et du coup, ben, quand tu commences à jouer, ben, le manche, il flotte parce qu'en fait, il n'est pas bien tenu dans le talon. Tout simplement.
Et là, moi, je pense qu'à partir du moment où tu payes plus de 2000 balles et que tu vois ça, tu as le droit de hurler littéralement contre le constructeur. Ouais. Là, c'est faut pas déconner, quoi. Là, c'est bon, quoi. Das qui dit, les neck pockets avec du jeu, c'est très courant. Bah, malheureusement, j'ai envie de te dire que... Ouais. David, en fait, techniquement, il est plus probable d'avoir ce genre de problème sur des guitares faites main que sur les CNC qui découpent exactement comme il faut. Ah ouais, mais dans ce cas, est-ce que ça veut dire que les Malmsteen ici, elles étaient faites à la main? Je sais pas. Ou alors c'est les manches qui avaient un problème. C'est l'un ou l'autre. On a le droit de se poser des questions, les gars. Ou peut-être que le mec qui a programmé la CNC, il était bourré, quoi. Il a fait ça un lundi matin, il avait pas envie. Ouais, c'est bien. Ah mais ça, franchement, Walid, Aben Gibson, la fameuse série limitée Tony Yomi, 20 000 euros avec les cavités qui bavent. Ouais, bon là. Comment te dire, 20 000 euros, non. Moi, je mets pas 20 000 euros dans un instrument qui a des problèmes comme ça. Non, non. De toute façon, j'ai Surtout pas. pour faire du Black Sabbath, quoi. Ouais, Attention, David, il va crier là. Non, non, mais je suis un fan de heavy metal, mais il faut pas déconner non plus, quoi. Mais 20 000 balles, bon. c'est plus cher que ma bagnole. Non, mais j'allais dire, franchement, au bout d'un moment, tu as envie de dire, c'est du foutage de gueule, quoi. Donc. Non, ouais, mais tu le dis, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, non, je suis désolé, mais ça le fait pas. Voilà. Hop, il revient ici. Allez, je remets en grand. Voilà, bah écoutez, on a terminé pour tout ce que j'avais préparé pour ce moment. Mais j'espère en tout cas que ça vous a amené des petites pistes de réflexion aussi. Donc là, franchement, moi je suis pas un fan de Heavy que. Je suis pas un fan de Heavy que de Black Sabbath. Par contre, ce qui est drôle, c'est que Tony Iommi joue principalement sur les guitares de son pote luthier qui coûtent moins cher que les Gibson. Ah bah oui, bon là. J'ai envie de dire, bon, bref. En tout cas, voilà, donc pour ce soir, on a fait le tour de ce que j'avais préparé. Est-ce que avant de. Eh, hey, Alexouski. Alexouski, j'arrive à le lire. 1, 2, 3. Merci d'être venu, c'est sympa. Donc ouais, effectivement, j'espère que ça vous a plu ce soir. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, hein, avant qu'on coupe le live, parce que ça va bientôt faire 2 heures qu'on y est, mine de rien. En tout cas, j'étais très content de voir qu'on était plein de copains à être ici là. Quand je vous vois pas sur Facebook, au moins je vous vois entre guillemets, je vous vois, hein, comme ça. Et justement, j'allais dire, j'ai peut-être une idée que je vais voir. Merci à toi David. C'est en tout cas, je pense que ce qui serait sympa aussi, c'est qu'on se fasse comme les ré. J'ai un abonnement Zoom là pour l'instant. Pourquoi est-ce qu'on se ferait pas une réunion à plusieurs pour débattre d'un sujet, mais avec plutôt que qu'on me laisse des petits messages sur Facebook, qu'on fasse une soirée à thème. Je vous lance ça comme ça. Donc David, Das Guitars, certains autres guitaristes. Voilà. On verra avec Jean-Philippe quand est-ce qu'on va faire ça. Mais je pense que ça pourrait être C'est sympa à fini? l'occasion. Hein? C'est fini? Ah bah oui, c'est fini. Alors je peux rajouter une chose ou Ah deux? bah c'est ce que je disais, oui, allez-y. Allez, les guitares vendues en carton, ça suffit quoi. Les Ah guitares à putain, 1000 ouais, euros vendues. mais largement. Ah, t'es déconné quand même. Hein? Ça, il y en a marre quoi. On te vend des grattes à 800 balles. Elle arrive chez toi, elle est en carton. Le fly, c'est un fly en carton quoi. Ah, c'est quoi ce délire? Même pas une petite housse. Ça, c'est une chose. Deuxième coup de gueule, les guitares à 2500 boules avec des housses de merde. Merci, Guitar Sir, tu vois, par exemple. Je suis Ouais, désolé, ça. hein. On l'a déjà dit, je le redis. Des housses de merde pour des guitares à 2500 boules. Pas de housse pour des guitares à 1000 euros. Il faut arrêter de déconner, quoi. Il faut franchement arrêter de déconner, quoi. Et puis, il y a aussi un autre truc, un troisième truc. Tu vois, ça, mine de rien, pour ce que c'est, ça coûte supra cher. Pour ce que la merde que c'est, et ça se bouffe en 2 secondes, 3, quoi. Ouais. C'est pas de la guitare, mais on l'utilise pour gratter les cordes. Bah oui. Mais pour les fly cases ou les housses, je trouve ça complètement délirant. On te vend des charvels. Ouais. Faites comme nous. Faites comme nous. Mon précieux. J'en ai en métoule aussi. Arrête de déconner. Moi, j'en ai plein aussi. Des Faites comme nous. Essayez Ricky. les Ricky, le plectrier, ça marche super bien. Et c'est vrai que au départ, j'étais perplexe pour dire que ça changeait vraiment le son. Oui, ça change le son. Et selon la matière et la forme, ça change aussi le son. Donc, ouais. Donc voilà, pour les housses, je trouve ça scandaleux.
Et puis, quoi d'autre? Le prix d'une guitare en général, c'est encore trop, quoi. Le prix d'une bonne guitare, c'est encore trop. Ça demande beaucoup de sacrifices pour beaucoup de musiciens, quoi. Bah, disons que La TV, la, je veux dire, on prône tout le temps la culture, la France, la culture, la culture. Je trouve que la culture devrait être pour tout le monde. Alors, des TVA à 20% sur des grattes, pour moi, c'est anticulturel. Voilà. ouais. On devrait permettre à tout à chacun d'avoir des instruments de musique d'entrée de gamme, milieu de gamme ou haut de gamme, peu importe ton budget, tes besoins, mais avec une TVA quasi inexistante, parce que la culture doit être pour tout le monde, mais pas que les bouquins, pas que les choses. Enfin, voilà quoi. Bien Trop sûr. cher, un ampli c'est trop cher, un câble de guitare c'est trop cher, des jeux de cordes. Les jeux de cordes, tu vas dans un magasin de musique, ça coûte 10, 12 euros un jeu d'Addario. Faut arrêter de déconner. Si tu es un musicien régulier, tes cordes, tu les expliques. Enfin, c'est un vrai budget, quoi. Ouais. C'est un vrai budget. C'est beaucoup trop cher. Les guitares, c'est trop cher. Les cordes, c'est trop cher. Voilà, c'est un véritable budget. Ça demande des sacrifices. C'est pas normal. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas, quoi. Voili, voilou. Voilà, yes, JP. Vu ce qu'ils ont prévu avec la culture, là, c'est pas près d'arriver, je crois, malheureusement. Ah ben ça, ma David, tiens, on ne peut plus raison. Ah oui, c'est sûr, ça va pas changer grand-chose. Là, pour l'instant, voilà, je dis bonjour aux gens. Voilà, c'est bon. À la fin, drôle de bruit. Oui, c'est parce que elle râle parce que je l'ai pas prise avec moi. Voilà. Ah. Fifi. Voilà, après. Bon, en tout cas, il y a aussi. On en a parlé très vite fait tout à l'heure, mais c'est aussi le réglage de Trostrode à la façon Music Man. Moi, je pense que ça devrait vraiment se démocratiser. Ouais, avec la roule. Ouais. Ouais. Tu peux la remontrer là? Parce que c'est vrai que. Sais pas si on va le voir. Ouais, si, on la voit. Oui. La petite roue ici, là. Ouais. Tu tournes la roue et puis hop. Tu règles La le roue tourne, va Trostrode tourner, en et voilà. la rotonde qui tourne. Voilà, donc là, c'est quand même plus simple. Ouais. Ouais. Donc là, effectivement, pouvoir remettre ce système vraiment pleinement opérationnel sur toutes les guitares, ça simplifierait tellement les choses. Puis tu mets, quand t'as pas ta clé Allen, tu peux mettre autre chose. Voilà quoi. Donc franchement, c'est bien quoi. Et à part ça, ben, je crois qu'on a fait le tour, hein. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci, c'était super sympa. Donc d'avoir fait un petit tour ici, malgré les problèmes techniques au départ. Ben, c'était la première. C'était la première. Donc ça va. Il n'y a pas de mal. Mais en tout cas, moi j'ai passé un bon moment. J'ai bien discuté avec vous tous. J'ai les remarques aussi que vous avez faites. Donc c'était sympa. Si je peux me permettre, essayer des guitares de luthier. Je parle pour les collègues et moi, mais je vois pas mal de guitares plus chères qu'une guitare de luthier avec tellement de défauts. Oui. On l'a dit maintes fois, on l'a dit maintes fois, c'est vrai que il y a des guitares de série qui sont aujourd'hui plus chères que des guitares de luthier. Non, c'est clair que ça, c'est pas Oui, normal. donc on a, je pense qu'on a de luthier suffisamment compétent. Oui. D'ailleurs, quand on voit des guitares haut de gamme avec des défauts, on se dit que bon. Mais je pense que le frein, c'est toujours un peu la peur quand même, de savoir ce qu'on va avoir à l'arrivée, quoi. Ça reste un peu la flip, quoi. À tort, sûrement, mais Non, on mais est toujours un petit peu inquiet du produit final, pas tant par la qualité, parce que je pense que quand les gars ils savent quoi, mais par la jouabilité, par le son final, par une guitare à 3000 euros, tu l'essayes, tu la branches, si elle n'a pas de défaut particulier, tu joues, tu fais ouais, putain, le manche il est super, je suis à l'aise, c'est factuel quoi. Là, la guitare elle est en train de se faire. Est-ce que le manche va être bien? Est-ce que l'appréhension des cordes va être comme j'ai envie? Est-ce que ça met une pression hein, si tu sors Ben, bien sûr. 500, si tu sors 2500 euros, je sais, peu importe les prix, mais dans ces eaux-là, on va dire entre 2000 et 3000 selon ce que tu veux, tu as toujours un petit pincement au cœur quand même parce que tu te demandes si finalement la guitare va répondre À tes besoins, ouais. à tes besoins, à tes envies. C'est compliqué quand même. Hein. C'est. Ou alors c'est tu peux craquer sur un modèle que luthier a déjà fait, donc tu sais sur quoi tu pars, et lui il est capable
de refaire la même chose, quoi. X2, VJP Manu, merci, c'est gentil. Ouais, t'as raison, on vote pour nous, on va se présenter aux élections, ça va chier. Ça va chier des bulles. Ouais, nous, on confine tout le monde, nous. Chacun chez soi, Dieu pour tous. Ouais, enfin, c'est vrai que le prix, ça reste un sujet de discussion très, très présent parce que ben, le fric, c'est compliqué pour tout le monde, hein, ou Ouais, ouais, presque. ouais. Donc on est tous sensibles à ce sujet. Mais ouais, le sujet des guitares de série ou semi-série plus chères que des guitares de luthier, ouais, ça interpelle. Ça fait quelques années que le truc s'est inversé, quoi. Et ouais, ça interpelle beaucoup. Ça Ouais, interpelle, ouais. moi, ça m'interpelle en tout cas, ouais. Sur l'idée de se faire faire des guitares, une guitare perso, en fait, tout simplement. Ouais. Restez chez vous et bossez la guitare, je vote pour vous. Merci Walid. Ouais, bien sûr, bah, c'est ce qu'il faut faire, il faut bosser, hein. Ouais, Oui, voilà, comme dit Das Guitar Luthry, le CV d'un luthier est plus accessible. carrément. Tu peux, c'est ton interlocuteur, tu vas, tu discutes, tu vois avec lui. C'est un vrai échange humain. Si le mec il bosse pas chez Liberator, tout va bien. Non, Legator, pardon. Legator, voilà, c'est ça. Non. Liberator, c'est Murden Non, Town. n'oubliez pas, Legator, ne prenez pas la marque Legator, c'est de la daube en boîte. T'achètes Legator, c'est que tu as tort. Pour ceux qui sont curieux, je vous dis, hein, allez sur Google et cherchez. Il y a une vidéo d'un type qui s'appelle Arnold Play Guitars. C'est un type qui est testeur de guitare en Amérique. Alors, c'est tout en anglais, c'est très long. Ça dure à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure la vidéo, mais le mec il détaille toutes les emmerdes qu'il a eues avec Legator. Et franchement, ça calme violemment. Hein. Donc Bah ouais. voilà. Voilà, pour tout ce qui énerve, c'est Merci déjà beaucoup pas en mal, tout hein. cas. Merci à JP d'avoir fait l'effort malgré sa grande fatigue, parce que mon copain il est fatigué. Mais non, Axtrum, c'est pas trop mon style de guitare, quoi. Axstrom. Ah. Et donc, je vous conseille les grades de David Daz Guitar, elles sont vraiment super. Oui. D'ailleurs, si jamais tu veux publier soit ta page Facebook, soit la page de ton site, vas-y, hein, n'hésite pas avant qu'on coupe le live, comme ça ce film que les gens puissent voir ton travail. Bon, moi je connais parce que je suis depuis un petit moment, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais peut-être que les gens ne connaissent pas, donc vas-y, n'hésite pas, c'est avec plaisir. Dexter, bonne fin de soirée, bonne nuit, émission fort sympa comme d'habitude. Merci beaucoup, Dexter, c'est sympa. Merci. Ben, vous savez, nous, avec Jean-Philippe, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye de rester des guitaristes standards, lambda, entre guillemets, c'est-à-dire que on fait comme si on était à votre place. Tout ce qu'on teste, tout ce qu'on essaye, toutes les remarques qu'on fait, on n'est pas là pour descendre gratuitement ou encenser gratuitement du Mais matériel. on descend personne, on descend personne. On fait simplement dit voilà, on dit ça, voilà, là ça nous a plu, ça nous a moins plu, et on dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui marche pas. Donc voilà, en tout cas, sachez que nous on est toujours objectif, définitivement. Et puis c'est ça le. Il est où, Daz? Il est situé où en France? Hein? Il est situé où en France, Daz? Alors là, je me rappelle plus, j'avoue. Mais sur ça, t'as sa page Facebook, Das Guitars, Guitars Ah, je suis sur Guitars. ton site, là je connaissais pas, ça déchire. Hein. Ah, c'est très très bon ce qu'il fait. Hein. Ah ouais, c'est super beau. Hein. Je dis pas ça parce qu'il est dans le coin, mais c'est vraiment super beau. Hein. Ah ouais, super, j'adore. Non, c'est très 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 bien, ouais. Ah ouais. En plus, pour 1000 euros, c'est vraiment super prix, quoi. Ah non, ouais, ils ont de la gueule, hein. Ah, C'est c'est des belles bien. guitares modernes. Hein. Pascal Aka, bonne soirée à tous. Merci bien. Dans la joie et la bonne humeur, ça fait du bien vu le temps qui court. Merci. Merci beaucoup. Ouais, merci, c'est sympa. Ouais. Merci à Manu Inversé. Salut à Manu Inversé. Bonsoir de Toulouse, les Catalans. Ah, je vais souvent sur Toulouse pour raison familiale. Donc, si un jour j'ai le cran et que je reste de très nombreux jours, j'irai faire une petite tournée de vous tous. Alors, moi, j'ai déjà vu Alexandre Proust, donc de Alex Guitars, parce que j'ai vu l'opportunité à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un petit tour chez toi, David, aussi. Et puis quelques-uns d'entre vous qui me suivez sur la page Facebook notamment, qui m'ont envoyé régulièrement des messages.
en disant que vous êtes de Toulouse. Je dis, bah, tiens, à l'occasion, je ferai un petit truc comme une petite tournée des gens. Ça pourrait être sympa, ou boire une bière, un truc comme ça. Ça pourrait être cool. Merci, c'est gentil, Daz. Merci. Je vais voir un moment où je pourrais dire toi. Merci, David, d'avoir été là. C'était bien chouette. Prends soin de toi aussi. C'est cool. Ok, Alexouski, ouais, je ferai un tour. Ouais, pas de problème. En tout cas, bonne soirée à vous tous. Prenez Ouais, soin de bonne soirée. vous. Ouais. Vraiment, prenez soin de vous. Je déconne pas. Comme vous l'expliquez, ce qui est arrivé à ma frangine, on a un peu balisé au début. Donc, bon, heureusement que ça s'est bien fini rapidement. Tu Mais m'étonnes. voilà, surtout, surtout, prenez soin de vous, faites très attention et ne sombrons pas non plus dans la psychose en disant voilà, où on va être tous confinés, tout ça. Non, 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 la vie, on peut continuer à faire des choses, Continue mais à bosser, moi. bah voilà. Ma femme a continué à Déjà. bosser parce qu'elle bosse dans l'alimentaire, voilà. Moi, je continue à bosser. Au fond, ça ne va pas changer énormément de choses, quoi. Il n'y a Non. que mes dates qui vont sauter, quoi. Ah, d'Invader Duncan, t'es encore là? C'est cool. Bravo, David. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là aussi. C'est chouette. Hey, Chris Coverstone, merci beaucoup. J'espère que tu as pu voir qu'on a parlé de tes remarques aussi. Ciao, et très azerty, c'est marche. Bonne soirée, à très bientôt, tout le monde. Prenez soin de vous. On vous Ciao. embrasse. Faites très, très attention à vous. Et vive la musique, encore une fois. Ciao.